C'est capété avec PM Kounia pour l'autre dimension, puisque il y a un pile secteur, il y a un pile acteur, il y a un pile dirigeant politique, il y a même qui continue à lever voyou, dimanche qui a lever voyou, notre dossier qui est pour avec bataille ça qui déclaré et bataille ça qui déclenché entre capété avec PM Gaï Kouni. C'est vrai que, et pas ça que un peu monde te souhaité, c'est vrai que un peu monde te souhaité, ouais, que deux têtes exécutives là, que yo entendu arrangé yo, yo pote résultat, réponse avec ça. Payap qu'on est là, mais pour un pile moun dans observation yo, yo est que c'est on litige son bataille qui existait pour que ce poste ministériel cap bataille entre nek yo, sous question de révocation trois conseillers yo, et ça veut dire que peuple haïtien li perdit espoir et li dit que quel que soit le capété, quel que soit le koni et quel que soit le koni, pas gagne un sérieux que deux têtes ça a venir régler dans intérêt peuple haïtien. Et je dis, nous capables de garder clairement que. Gon véritable tout la lito. Ou imagine que chaque vendredi, t'es bien, pour me répéter parole PM Gaï Kouni et pour me répéter parole que conseiller non et conseil. Chaque vendredi, yo toujours organisé conseil des ministres. Avait dit que ministre et puis conseiller président yo. Eh bien, j'ai presque 4 à 5 semaines là, pas jamais que ça n'est au conseil des ministres. Raison à l'ICEP, et parce que ni capété, ni koni, n'est que à couteau tiré. Parce que, gen ensemble des secteurs dans la vie nationale là, yo clairement dit gaye koni, puis gala chita avec conseiller yo, avec présence 3 conseillers qui nous cité dans scandale corruption. Et gaye koni lui-même, que quittant de ça que secteur soit abdil, li clairement dit que li pas pral chita avec, alors, on dit bien, que li mandé avec capété, puis yo arrange je commets Jean-Jacques pour que yo dit un mot sous dossier 3 conseillers qui impliqués dans scandale corruption. Peuple haïtien n'a posé question qui côté bataille ça privé et qui côté que on dit ça qu'a fait là est-ce que l'a été peuple haïtien ou est-ce que la vie plus mal pour nous dans condition la vie nous pendant que bandi continue à tuer mon Solino bandi continue à tuer mon Front National mon nasse apprend la rue mon tout côté apprend la rue parce que yo dit pas capable encore avec insécurité avec rangou misère chômage que d'Haïti après qu'on a des Ivenes. Résultat sur modèle situation qui gagne dans le pays en Libye, gros quelque cassé malgré un pile dans le monde qui a vécu là, vous pensez, les gros bagages qui t'a carrément fait avec l'expérience qu'il y a qu'on est là, avec le conseil présidentiel transition, qui aurait les KPTA, il y a 9 membres là-dedans, mêlé avec le gouvernement qui est connu à diriger, mais malheureusement, il semble que Mounio perdu dans le mi-temps et l'an mai, parce que jusqu'à présent, si vous regardez la situation, volonté de mon côté, ensemble, mon ça, il n'est pas pratiquement manifesté. Malgré diverses rencontres APC dont on fait pour garder et qui se capte de des situations, quel est le ministère économie et finance, Yosita, ministre touriste, Chita ensemble, vous discutez, pour garder qui se capte faire l'autre approche surtout pour le secteur culturel, et lui veut comprendre que promoteur a gagné plus de valeur, mais je veux dire, qui côté, il va arranger pour faire visite surtout ça qui est pour avec session culturelle. Là, un pays qui pratiquement a plongé, il en chute par rapport avec section économique, on n'a qu'à dire, et tout secteur économique pratiquement à genoux par rapport avec insécurité. Bah, et pas seulement secteur, et pas seulement secteur culturel, hein, c'est tout secteur net, je dis en désir. C'est tout secteur net qui a genou par rapport avec question insécurité, hein. Parce que imagine un grand ensemble d'artistes haïtiens qui est obligé de quitter Haïti, soit que réside au Canada, la France, ou bien la France, et ou bien États-Unis. Grand ensemble de groupes haïtiens qui est obligé de résider États-Unis, Canada, ou bien la France, à cause de question insécurité à désir, ou d'abdi. Très bien. Situation qui est là, li en pile fois, montrer les saisons de l'école, li permettre que tu marches, li permettre que tout le monde essaye de garder que j'ai un cap. Mais je dis, c'est courir que mon a courir, qui était ensemble espacio dans le capital pays. C'est presque chaque jour que vous tendez, yon organisme, droits humains, apporter des informations, des détails sur ce qui a passé en dedans pays et montrer que la situation est beaucoup plus grave au lieu qu'elle améliore Blaise Peterson. Ministre éducation nationale d'Haïti. Nous voulons parler de Antoine Augustin. Qui fait qu'on est? Que l'État octroie un pile kit scolaire pour année scolaire? C'est bilan qu'elle a fait. Pour ça, qui vient pour avec question de réouverture des classes pour année académique 2024-2025. Selon données qu'elle publie, il fait quoi? Gagner 66 000 kits qui distribuent dans divers départements à travers le pays. Elle garde le département de l'Ouest, département de l'Antibonite, Grand'Anse et département de Centre. Il dit chaque département ça recevoir 8 000 kits. C'est nous qui bénéficiait plus qui bénéficiait 10 000 kits pour qui cap pratiquement permettre que Timon yo au moins à recevoir plein de l'instruction. Li fait qu'on est ensemble matériel ça qu'elle distribue à la personne, c'est des matériels qui étaient là depuis sous Nesmi Maniga.
que les distribuer là parce qu'elle déjeune ça ou là. Je dis, mais pas oublier, il y a des enveloppes qui allouées avec ça qui vient pour elle, avec le ministère de l'Éducation nationale ou bien ensemble, ministère. S'il déjeune ça ou là, eh bien, il y a des pour le bail de détail sur ça qui concerne ensemble l'argent qu'elle gagne. Blaise, bataille qui gagne entre tête exécutif, c'est toute une planification. C'est toute une planification en communauté internationale là, avec Silao qui en Haïti, pour faire jouer, piquer, coller, coller au brin, pas coller au brin. Est-ce que vous partez des gars qui disent, lui-même avec les six Voltaire, il y a des bonnes relations. Il y a pratiquement, et depuis longtemps, il y a des qu'on échangé ensemble. Et je dis, qui ça permet? Pendant que chaque mon tête exécutif est là, il n'y a pas qu'à entendre vous chita parler, pour chercher à résoudre le problème qui est là. Pas oublier. Tout pouvoir de transition, Blaise Peterson, Vichita sous base, à fond, côté Mounsao, besoin d'instabilité pour faire plus de temps. On t'a parlé, dès le début. Nous t'a dit ça, bon, ici. Nous t'a dit, Mounio, que sur le conseil présidentiel de transition, c'est aux crises, en de crise, que le pays d'Haïti t'a connu là. Je dis, il y a des mounes qui t'ont dit, bon, nous raison, mais c'est pas pour raison. Nous pas bataille pour raison. Nous avons bataille pour pays. Parce que ça qu'a fait là, il n'y a pas lieu, pas qu'il y a rien qui semble avec le pays qui a changé la situation. Blaise, citoyen, citoyenne, habitant, qui courent, qui te poussent. Après un mois, cinq jours, massacre poussent de ya, yo te foule béton dans la cité Nisa et Sagé, dans la ville Semak. Yo lancé un pile parole, puis mon bouc, contre le vice-délégué, l'arrondissement de Semak. Yo lancé un pile parole, puis mon bouc, contre magistrat. Semak, là, nous voulons parler de Myriam Fiev. Yo dit ensemble, moun sa yo, servi avec massacre qui fait poussent de ya, pour yo faire gros l'argent. Yo parle de l'argent cash que t'as voué ba yo, sous compte mon cash jusqu'à présent, yo pas jamais jeune. Yo parle de 800 000 plachos que pam de zé t'as baye, eh bien, c'est 2500 moun tout simplement qui touche pas par la question ça, pour ça moun yo nerve, yo lance plusieurs messages, yo en bouc devant commissariat qui dans ville Semak, devant paquet, devant commissariat dans Pasoual, et yo te vin fini dans Kafou pour sonde, pour demander autorité yo, pour dégager yo, pour résoudre problème de sécurité. Bandi, bas gang griffio l'ouvri coup de zam, sous on convoi. Qui t'a sauté sous frontière, qui t'a traversé Moli en coup, on se fait recevoir balle dans pour être à le prendre soin qui cal nécessité dans l'hôpital d'institution. Désolé, je vais ajouter que gagner ministre des Affaires étrangères pays. Attendez, mes amis. Attendez, bien, ça m'a dit, hein, désir. Et décidé déjà, dans l'émission que nous avons fait dans le mi-temps junior, hein, et ma soeur m'a rappelé, attendez ça, ministre des Affaires étrangères pays, c'est de maintenant dit. Il libère un gros soufflet Marassa avec un ministre des Affaires étrangères pays d'Haïtien, Madame Dominique Dupuis. C'est vrai, son madame, que un peu mon apprécié pour capacité, le reste c'est une belle tête en termes de capacité intellectuelle. Il y a vraiment un peu mon apprécié. Bien que, il y a de l'autre qui est que, et ce n'est pas un de sérieux qu'il a réglé, selon ça, un peu le monde dit. N'a pas songé que, dans le jour où c'était samedi 2 novembre, non? Les que gouvernement qui dégage présence PM Gaïkouni, ministre Dominique Dupuis, porte-parole PM nan Jean-Jules Desaugustes, et puis ministre environnement, pour me citer ça seulement, et autorité locale, autorité municipale, et de ces citoyens de jeunes, dans le communiqué SCOF, ils ont décidé de réunir pour que ils soient capables de parler sous situation pays. Mais avant ce madame Dupuis, oui, n'a pas rappelé ça. L'été dit que li satisfait par rapport avec baisse en réduction dans quantité haïtien qui irrégulier qui illégal aux États-Unis. Ah pardon, c'est le même que l'État dominicain qui est dans tête Luis Sabinadel que lui-même a déporté la canon Haïti. Ça veut dire que, pas oublier que l'autorité dominicaine nous a dit que chaque semaine, il a déporté 10 000 Haïtiens qui sont irréguliers, qui sont pas en règle. En pile voix télévée, l'État haïtien, en pile, on a parlé sur le dossier ça. Et Luis Abinadel, avec l'État dominicain, il n'a pas campé sur déportation. Mais, moi, je dis bien, dans le jour où samedi 2 novembre, non, ministre Dominique Dupuis, il était content. Il dit, les comptants pour réduction dans la quantité haïtienne que l'État dominicain a déporté en Haïti. Et ça arrivait, prend comme décision à réduire la quantité haïtienne qui a déporté yo, avec action que le gouvernement posé, l'État haïtien posé. Eh bien, est-ce qu'on est gagné Fadrid Rafoul, qui c'est une autorité dans le gouvernement dominicain, non? Il dit que l'idée de Dominique Dupuis,
li dit bay bay comme ça. Li dit que déclaration Dominique Dubois c'est mentilier. Cette histoire comme si l'État dominicain est réduit dans la quantité 10 000 haïtiens qui ont été déportés chaque semaine. Non? Eh bien, il fait qu'on est que, sorti de 2 octobre pour arriver 5 novembre. Tenez bien? Sorti 2 octobre pour arriver 5 novembre, sur un intervalle un mois, l'État dominicain déporté 60 961 migrants haïtiens. 60 961 migrants haïtiens. Elle dit, comprenez bien. Elle dit là, non, moi, si on fait calcul là, elle dit, chaque semaine, vous avez déporté plus que 10 000 haïtiens. Tu l'as marron côté, madame, du jeune chiffre, ça lui-même. Alors, il n'y a pas de chiffre, non, mais côté jeune diminution haïtien qui a déporté, côté jeune donné ça. Est-ce que c'est à travers Haïti qui a sorti dans la frontière qui a rentré ou enregistré ou pas? Bah, on est. Est-ce que c'est Dieu dit que quantité Haïti qui a rentré ou diminué? Bah, on est. Mais autorité dominicaine, yo, yo démenti madame Dominique Dupuis. Oui, là, m'a dit, moi, est-ce que nous en a affaire avec une équipe de bluffer dans l'État? Parce que c'est clair. Parce que nous avons dit clairement que nous en a affaire avec un ensemble de bluffer dans l'État. Quel que soit le bon côté KPT, quel que soit le bon côté Kouni, avec deux membres du gouvernement là. Parce que, je ne sais pas la fragile là, pour que Mme Dupuis a fait mon croire que, eh bien, il a diminué pourtant, mais une autorité dans le gouvernement dominicain a démenti. Et, je ne sais pas, je ne suis pas capable de croire, parole, autorité dominicaine là. Parce que c'est lui qui a voulu aller. Et lui qui a voulu aller, et lui qui a voulu aller. Et lui qui a plus qu'à croire. Que autorité haïtienne non que madame Dibui. Donc je dis hein mais que en pile là nous comprendre mais que en pile là nous comprendre que pour nous avec qui genre de monde que nous en a fait regardez avec qui genre de soi disant monde que les autorités que nous en a fait dans pays d'Haïti quel que soit tes capitaux parce que il y a trois bons dans capitaux qui se pas faire une porte connu même capé que la gouverne avec les Steve Voltaire. Les civils dit l'affaire Emmanuel, il dit non, faut évaluer et ministre au moins même en temps normal, il doit évaluer en période de 6 mois. Gary Kony exigé avec EKPT1 pour prononcer sur dossier sur dossier ça et en pile homme politique qui suivent. Et surtout on est à coup ancien PM Jean-Michel Lapin. Monsieur dit en sérieux. Même l'État a des problèmes. Entre des problèmes entre la primature avec la présidence. Mais il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Parce que selon PM, en CPM, Jean-Michel Lapin, il a vraiment critiqué comportement langagier que PM a reconnu gagner. Les que c'est en public pour le demander avec KPT1 pour le dire un mot dans le dossier, trois conseillers. Sinon, l'ITK réuni avec KPT1, avec président KPT1, elle dit président, mais ça pour faire. Ou obligé de dire un mot. Alors, et pas mais ça pour faire, non, mais ou obligé de dire un mot. OK? Ou obligé de dire un mot. Alors que, et pas ça qui fait. Alors que je dis, et pas ça qui fait. Blaise, bon bagage oublié. Salut, frère. Président KPT a pas qu'à dire un frère. Parce qui est-ce qui cause président vient de côté lié à et dis-toi avec ça qui est impliqué à c'est toi corrompu. Je dis on nous trouve une situation qui est très délicate pour nous sortir là-dedans. Il besoin caractère, il besoin conscience. Parce que 9 mounsa qui dans le conseil présidentiel là, il y a d'accord que vous avez volé. Dis pas 3 nègres seulement, non, tout 9 mounsa d'accord parce que vous dit on soit fréquenté, c'est lié. Ou d'accord qu'on est moun yo dans la corruption, ou si ta bon côté yo, ou a fait réunion avec yo, ou a décidé avec yo, y a fait signature même côté avec yo, ou pas l'autre bagay. Sinon, quand on a même espace, et yo te clair, tout le monde sait qui dans le conseil présidentiel de transition, yo te dit yo tapton, décision ILCC. Il te dit contre corruption en pays d'Haïti. Les Voltaire te dit sa propre bouche pas le même, les Voltaire te dit. 22 jours avant rapport ULCC, elle te dit, et si je veux que vous avez un exa ou t'as impliqué vraiment, il a décidé. Mais je dis à vous, c'est le politique. Qu'est-ce que je veux dire? Hein? Ça passe. Il décide. Ça passe, je veux dire. Ah, bah, il décide, frère. Ah, bah, il décide vraiment.
parce que les jeunes ont avec trois nègres et puis il est venu président, alors il est toujours président, mais il est venu prendre place Smith Augustin. La situation, même parce que nous avons un pays qui trouvait une situation qui est extrêmement difficile, parce qu'il a sorti, oui, il a sorti, mais il a demandé un grand sacrifice. Dans chaque secteur, dans chaque monde qui vit dans le pays, chaque haïtien qui est ou bien dans le pays, il a besoin qu'on ait qu'il consenti un sacrifice. Le monde qui n'a pas aimé le pays, puis la vérité, il y a un représentant secteur qui gagne le conseil présidentiel de transition. Petit Dessaline, Moïse Salté dit gouvernement là, il pas gouvernement peuple là. Malgré ce qu'il a fait parler, il a parlé. Et nous devons comprendre que le monde qui l'a pas dirigé pour Haïtien, les personnes. Il a dirigé pour l'Occident. Il a dirigé pour Tétio. Nous devons être très, très, très prudents. Nous devons être méfiants avec le comportement qui est là. Monsieur Moutren, qui a déplacé Pion. Pour date que vous dites qu'il a installé 7 membres du Conseil électoral provisoire. L'IDOE 9. Côté l'autre des secteurs, ça qui va pas ajouter. Ça qui va pas venir avec. Qui a sa prétendre? Qui moun kap vin fèl pou yo? Moi-même ou bien ou même qui va le faire pour yo? Y a passé moun nan bêtise. Yo gen okak pou yo mette kampé. OK? Yo organise qui pral là pour contrôler action gouvernement, pour contrôler action la présidence. Je tiens wèk ça fait. Yo passé nan bêtise, yo oublié, yo monté que c'est comme si pour un bagage qui est important. Yo parlé de KNS, Conseil Sécurité Nationale. Yo pas besoin de mettre le campé. Je dis, on est qui président du Conseil présidentiel de transition. C'est lui-même qui a choisi la sécurité. Dans même. Qui est-ce qu'il y a comme expertise dans la sécurité qui fait c'est lui-même qui a pris chantier ça? Ou pas sorti que négocier notre tour Iboï, c'est une situation très difficile que vous voulez qu'un pays. C'est vrai, on est qui la valasse. S'il doit résoudre le problème de sécurité, il doit résoudre. Parce que nous avons commencé avec ça dans le pays. Yo connaît Mounio. Mais Mounio te connaît, c'est pas au clair encore. Parce que la majorité de Mounio te connaît, c'est Mounio, c'est l'élève qui fait. Mais c'est même outil yo en pile dans outil yo nan men nèg yo nan pile dans stratégie que nèg yo a utilisé là c'est stratégie nèg yo Leslie Voltaire gen un mois je dis a nan tête concernant exactement un mois si t'as essayé de te faire bilan et 4 mois l'été chaque nèg yo passé nous ka di Edgar Leblanc fils passé li sale pantalon li viré col l'allé OK li quitte pratiquement dans situation difficile là pour compte nous li quitte dans situation compliquée pour compte elle toujours a touché l'argent l'état. L'autre la vini, et nan bagay, si kout de kanyoa, yo chakap foun kout, yo fè la zèw, yo vire. Et puis, zafè pe païsien, li bet continue à abdominer la, li bet continue à pourri pas si pas là. Yo dire nous besoin, pren dimension, nous besoin de caractère, pour nous sauver l'honnête de la République, c'est soit nous arranger, nous chute moun sa yo, qui dans Villa d'Accueil, qui constitue tête comme président de la République, nous descend de la primature, nous chute. Bouda équipe moun sa qui pa prégle, un yé pou pays ya. Moun sa pa ki un yé qui a prégle, Blaise. Songez qu'elle ne parle pas ici. Nous disons ce soir, nous faisons révolte, nous révoltons contre ça qu'ils ont implanté contre nous. Secteur privé comme Gadol, secteur privé, mafia qui l'a, ils sont confortables avec ça. Il n'y a pas qu'une pièce contrôle. Mais ils ont fait contrebande dans la douane, j'en voulais. Bon, exactement, parce que pas oublier que, en si de nek qui dans la classe politique là, yon c'est tu, le c'est resté avec, et moun qui dans oligarque compliant, Haïti là, yon c'est mettre, yon c'est esclave moun sa yo, et tout ça yon mande, tout ça yon dit, yon fait appel. Je dis à moi, c'est qu'il faut nous comprendre la situation, ça, on s'en désire. Désir, nous parlons en question de sécurité, hein, puisque gagne un ingénieur Wilbert des Hommes, de Balat-Tibonite, et monsieur dit des bagages qui me trouvé qui intéressant. Et moi, c'est un pile moun qui a suivi mission ça, en pile là, ou presque fait même réaction ça ou tout. En pile là, ou presque fait même réflexion ça ou tout. Dans la réflexion que l'ingénieur Wilbert des Hommes fait, sous dossier ça. Parce que, on imagine, on va d'accord avec des siens, que vraiment, est-ce que quelle volonté pour que ce soit insécurité à résoudre, bien que moi la police dit que, et dans le jeune qui était 6 ans, il était mené opération dans force et fonds national, plusieurs bandits tombés, bon, et ça a dit, bon, on connaît la police, bon, moi j'ai prêté la police, et m'apprend pendant que dans le jeune qui était 5 à 6 ans, il dit que plusieurs bandits tombés, mais dans le jeune qui était 7 ans, m'apprend que bandits ont retourné aller dans le fonds national, bien, dans Solino, il fait des gars. C'est-à-dire, à chaque fois la police frappe, il y a même eu une réponse, et malheureusement, pour bandits, il y a ba réponse c'est malheureux yo ba réponse que donc laisse ça yo pas camper trop que cogne avec andi la police au lieu que c'est malheureux y a comme si gribos kosuyo vaut mieux que les la police là les l'armée là les missions là qui ont gomme avec yo laisse ça pas de problème moi même désir c'est moi même
tant qu'on t'a dit, et chaque fois que la police essaie de checker, tant que j'ai un criminel notoire et terroriste, toujours dit, y a un grand lion, tant que j'ai l'ambassade de Gondil, chaque fois que j'ai un grand lion, il y a un grand lion. Exactement. Et en nous mêlant avec ingénieur Wilbert Desom, monsieur qui fait qu'on est que, ça gagne comme crise de sécurité, hein, l'État vraiment responsable. Dit ou bien ça, et m'a dit tout auditeur, mon gars, le temps des nouvelles là, l'État n'en bluff. Parce que m'a pas d'accord ni pour chef la police, ni premier ministre, toute autorité dans l'État pour y a dit que y'a pas qu'à faire face à gang. Comme si gang n'a gagné plus entraînement passé la police, plus entraînement passé l'armée, plus entraînement passé étranger que nous gagnons dans le pays. Il y a plus d'âmes passées étrangères. Nous avons des chars blindés, des gangs n'ont pas blindés. Si nous avons des blindés, non, mais nous prenons. Donc, comment l'État est capable de faire dire qu'il n'y a pas de boumer avec les gangs? Ça, je ne comprends pas. Comprendre, ni. Vraiment pas et je ne sais pas si vous ne pouvez pas ici chercher à comprendre ça. C'est que l'État n'a pas voulu. Ce n'est pas possible. C'est où contrôler pour eux. Vous avez dit que vous chargez munitions, même si vous avez des âmes. Mais où êtes capable de faire des gens, ou de faire un délai pour empêcher les munitions de ne pas arriver sous l'eau? Si vous empêchez le ministre d'arriver sur les armes dans son bout de bâtonnier, et me répéter plusieurs fois. Donc, qui est la stratégie que l'autorité haïtienne développée pour faire face à lui? Depuis qu'il est route nationale occupée par les gangs, il y a une post-péage. Gang n'a tellement senti à l'aise, surtout sur le canard. Il a tellement senti à l'aise, il a tellement fait comme il a besoin de chita pour jouer comme il a. Il n'a pas fait péage encore, il a attaqué à Kaye. Ils ont attaqué et ils prennent commissariat cabaret, ils ont attaqué AKR parce qu'ils disent que c'est AKR avec cabaret qui empêche de prendre la Tibonite. Donc, ils ont pris un travail qu'ils ont fait là. Ils ont pris un département de l'Ouest, qui est le plus gros département du pays, et puis ils ont pris un deuxième département, la Tibonite. C'est une grosse stratégie. Donc, c'est AKR dans la tête qui empêche de ne pas arriver. Et c'est ça que fait me dire la Tibonite, supposé aider AKR. Parce que si ils prennent AKR, ils prennent la Tibonite. Donc, dans ce sens, je pense que les gens qui dirigent l'État, les policiers aux moyens, l'armée aux moyens, les forces étrangères, et puis avec volonté. Ce n'est pas possible, monsieur, de payer non pour ça. C'est rôle pour nous protéger la population haïtienne. Non. Pas faire le monde quoi, c'est bluffer nous. Pas déjà qu'on dit bluffer nous, mais au moins font des bagailles. Font des bagailles. Pas venir dire que nous n'avons pas de moyens pour nous faire gang. Si nous disons que nous avons un gang, les peuples haïtiens continuent à mentir. Ou bien ils apprennent tous comme complices qui ont comploté contre la population haïtienne pour nous faire des ordres. Mais qui s'en vient d'elle? Mais moi, je pense que nous avons une possibilité de nous faire des moyens parce que nous sommes une force légale. Il faut que nous dégagions pour au moins nous finir avec ça pour au moins la population haïtienne qui a souffert. Quelle que soit la réflexion que nous avons fait sur la crise haïtienne, nous avons des difficultés pour trouver une solution. Parce que, à l'arrivée, au niveau, on va demander est-ce que son bagage est normal. On commence justement à questionner tête moi. Est-ce que les gens haïtiens qui mettent le pays à côté de l'IA, est-ce que c'est haïtien vrai? Parce que l'homme est conscience haïtienne. Je pense qu'il y a une certaine sensibilité pour supposer gagner. Même si vous avez gagné l'autre bras qui est derrière. Qui vous faut faire ça parce que c'est mon avant tout. Même bête là, les ont entendu au Kounouel, ils ont des gens qui vivent entre eux-mêmes. Le fait que nous sommes haïtiens, nous formons en communauté, je ne crois pas que nous-mêmes qui formons une communauté, nous obligés de travailler chaque jour pour nous craser. Donc là, il n'y a pas seulement un bagage de gangstérisation, de bandits, là, il est plus loin que ça. Donc réflexion obligée, plus poussée. Pendant que les gens qui disent autorité dans le pays a travaillé pour créer sécurité. Mais même les quotas fin résoudre un peu la sécurité, tu as gagné un moyen pour les gens circuler librement, mais il faut que les Haïtiens posent problème de l'haïtianisation. Pour nous connaître qui côté problème, est-ce que c'est dans l'esprit, est-ce que c'est dans la culture, est-ce que c'est un bagage normal pour les Haïtiens à vivre dans la condition de vivre là. Est-ce que c'est normal pour nous ne jamais progresser? Pour chaque année, chaque jour, mettez s'écraser, n'abcraser, n'abcraser, jusqu'à ce que nous vînons un pays qui vient plus pauvre, regardez l'Amérique là, et plus pauvre même dans les Caraïbes là, pendant que son pays a un passé glorieux
Donc est-ce que normal? Donc là, je pense que faut que monde réfléchisse sur ça, il faut nous questionner le problème là pour voir qui gens ont apporté solution là. Mais comment même gang yo pas exemple gang cité soleil ou même gang solino. Je sais mon dans zone il y a pour des mon encore. Mais c'est là qui problème là. Me dit même si on monde ta pousso pour boumer, mais comment faire normal pour craser zone qu'on rété? Exact. Parce que ou pas vivre pour tout. Là pour aider tout monde craser tout monde mais tout monde craser ou gen petit frère ou gen cousin ou gen matante tout ou gen femme ou la donne ou gen petite porte tout qui pour gen pour aller l'école ou gen petite porte tout qui pour entrer dans société là comment sentir pour lorsque petite porte paraît dans équipe de jeunes même bien pour yo et puis mon a courir carte yo c'est pas normal même parce que yo toujours dit bandi pas gen conscience. Même parce que depuis ce monde quand même ou une conscience qui demeure dans vous-même. Conscience qui fait mal là. Même conscience ça qui a converti en bien. Ce n'est pas possible, monsieur. Ce n'est pas possible. Si vous dites que son bataille qui a peiné contre un système, mais l'autre, tuer propre monde qui est beaucoup là. Contre qui système. Parce que le monde qui vit beaucoup là, il y a le même problème avant. Il a subi le système dans tout. Si vous avez un système, vous voyez que c'est vers le monde qui crée le système ça, ou t'as fait, au moins vous avez gagné quelques mounes qui sympathisent avant. Mais là, ça propre monde pour vous boumer. C'est pays qui a crasé. C'est rien qui a pris un pays à plus mal. Et c'est le système qui a fait j'arrête. Donc, je ne pas comprendre ça. Et je souhaité que au moins vous preniez un peu de conscience pour vous connaître que vous êtes haïtien. Malgré tout, vous êtes haïtien. Vous avez besoin de monde pour vous vivre ou charger l'argent. D'ailleurs, nous faisons pile kidnapping. Nous faisons post-payage, nous avons des gens qui vont dans l'argent, nous faisons un paquet de bagages qui permettent de gagner. Nous tellement gagné comme c'est comme il y a le soleil. Si le cobla est normal, si la société va fonctionner, ça fonctionne à cobla. Qui ça cobla utile lorsqu'on n'a pas fonctionner vrai avec elle? Est-ce qu'on va garder cobla seulement parce qu'on va venir pour être tout le temps sous terre? On va mourir. Mais soit vous mourir ou bien l'argent, il faut que vous ayez pour vivre avec ou pas qu'à vivre avec comme ça ou pas qu'à blanchir, comme ça ou pas qu'à mettre la banque, comme ça ou pas qu'à faire. Les amis ont toujours acheté avec balle. Yeah. Mais vous achetez les amis à balle pour tuer les gens. Qui ça l'utile ou? Un peu de conscience. L'autorité haïtienne qui dévoile. Pour qui ça, ou obligé chaque matin à mettre rad sur vous, machine dans mon, klaxon, ou dans le bureau, fait qui ça? Oui, on a un petit exemple là dans la ville de Saint-Marc. Des années. Nous n'avons jamais gagné un courant électrique. L'électricité n'a pas fonctionné. Moi-même, question m'a posé des points. Est-ce que le bureau électrique, là, il y a des gens qui viennent là-dedans? Le bureau d'électricité, c'est des gens qui viennent là-dedans? Qui ça vient faire? Nous sommes tellement habitués avec ça qui pas bon. Nous tellement habitués avec vieux bagailles. Vieux bagailles, pas venir dire rien. Où est-ce qu'on fait manifestation encore pour l'électrique? Pour l'électricité? Où est-ce qu'on fait manifestation pour la vie millionnaire dans le pays? Qu'on a son seul bagage qui occupe l'esprit, insécurité. C'est ça qu'on m'a dit. Est-ce que pas bon plan justement pour mettre des pays à côté de l'IA pour avoir des préoccupations sous préoccupations et puis laisser ça, ça qui préoccupante là, c'est la dénorité. Donc, ça veut dire, une société comme ça, pas qu'il y a une progression qui fait pas d'un. Donc, on nous dit que l'autorité cap touche, pour qui raison que nos pays yo? Pour qui raison ils sont obligés à habiller? Pour qui raison il y a l'ambiro? Il y a l'ambiro pour faire qui ça? Premier ministre, conseil présidentiel, qui est yo? On nous prend chaque jour, on a perdu terrain. Les sous-jovenels, nous avons Matissan qui a commencé. Et c'est seul Matissan peut-être qui a créé problème. Tout le monde est libre. C'est au-dessus de là qui a un problème là-dedans. Jovenel, non tellement pas prendre Jovenel, allez, nous venons à Ariel. Bandit commence à prendre des zones. Ah, nous voyons Ariel aller, nous pensons que ça a été un bagage, nous perdons des zones. Port-au-Prince dit à plus de 85%, nous perdons ville, nous perdons des zones métropolitaines. Non, si, dans la zone métropolitaine, c'est là toute grosse autorité a été. À 85% de bandits occupés, 15% qui sont utiles pour nous. Donc, est-ce que vous avez un orgueil comme chef, comme autorité pour un côté pour bandits empêcher de parler? Regardez jusqu'à présent. Nous avons fait 6 magri pour nos prédécesseurs dans le palais. Nous courons quitter le palais, nous pas prédécesseurs. Nous avons l'autre côté. Mais quand nous perdons le palais, nous perdons le champ de masse, nous perdons le bicentenaire longtemps. Nous perdons un paquet de zones. Mais au moins, font réflexion à propre tête par nous. L'État n'a pas qu'à prendre défi dans le monde qui est illégal. L'État n'a pas qu'à prendre défi dans mon paquet de bandits qui ont des âmes dans le monde illégal. C'est l'État qui vient contrôler le port. Qui ça l'État fait pour empêcher Zamba d'entrer, pour empêcher munitions pas d'entrer? Ça veut dire qu'on a dit qu'on a une certaine complicité entre l'autorité et les bandits. Parce que si pas de complicité, l'État pas dit ne va pas contrôler ça. Ou pas dire que c'est blanc pas d'accord. C'est blanc qui doit pas faire. C'est blanc, pays blanc. Nous voyons qui ça fait aux États-Unis là.
moun yo yo di se peyi yo et yo pran responsabilité yo, yo élu président que yo vle. C'est pas président yo imposé yo, c'est ça yo vle. Mais nous-mêmes c'est deuxième pays d'espoir après dans Amérique là qui prend indépendance après États-Unis. Nous c'est premier pays nègre qui consacre l'indépendance, qui goumen contre l'esclavage. Qui ça nous fait avec l'histoire pays a? N'est pas normal monsieur, un peu de conscience. Nous pas capable encore, il pas possible pour un pays continuer à dégringoler comme ça. Député, élection États-Unis, d'où qui ça? Bon, élection États-Unis, dit que dans la vie, les hommes ont mené une bataille politique pour une volonté ferme. D'ailleurs, pour y avoir quand même de fait paraître dans le système américain, il y a des gens qui ont Trump, son, il y a des gens qui ont mobilier la famille Trump, mais soit ouais, monsieur son milliardaire qui vient quoi. Mais sur le plan politique, il va quand même. Eh bien, il veut imposer, il dit le contre système non, la crasse système non. Et quand on veut le comparer, il fait des bagages dans le système non. Il y a des bagages que nous ne connaissons pas, donc il fait non connaître. D'ailleurs, qui s'apprend à faire? Il ne pas payer taxes, il a inculpé parce qu'ils font paquet de pile des ordres. Et puis, il vient au moment, il impose même au niveau de la justice. Parce que ça, monsieur, fait assez n'importe quoi, il n'a pas arrêté de mettre en prison. Il va pas même une chance pour le candidat. Ça vient montrer toute l'hypocrisie américaine qui a dit la prône démocratie, la prône la justice à travers le pays, même la caille parle que justice n'a pas fonctionné. Donc Trump arrive à aller dans l'élection, malgré tout le bagaille que dit de lui, eh bien, Américain, ouais que c'est lui qui a redressé l'économie américaine. Non. Américain, ouais que la fierté, la force, le courage, n'est-ce pas vrai, et la domination américaine, je sentis plus ou moins que la fuite. Donc, il dit, il y a un monde qui a plus de fermeté, n'est-ce pas vrai, dans la parole, pour arriver à mettre et États-Unis sous côté de là. Donc, pour nous, monsieur Vini, monsieur Dou, États-Unis d'abord. États-Unis d'abord. Politique étrangère ou politique internationale, l'autre pays, yo. Dou, ça, pour qu'on intéresse, ça qui intéresse, c'est États-Unis d'abord. Donc, c'est ça, me parlait de l'égoïsme collectif. L'égoïsme collectif, c'est-à-dire, si on est capable de chercher n'importe qui côté pour rendre les États-Unis fort. Et là, il n'y a pas de tête pour fort. Donc, il remet le pays, il travaille, malgré tout mauvais caractère, de mauvais comportement qu'il a contre Haïtiens, contre moi, contre ceci, contre cela. Mais ça que les Américains acceptent dans lui, c'est que monsieur Kembe parole. Il Kembe parole, il goumé contre le système, et puis il est arrivé président des États-Unis. Et c'est ça! Pour nous prendre comme leçon, nous même qu'à faire politique en Haïti. Nous obligés de ligne. Nous avons une ligne, il va déjouer la ligne, il est dans la ligne. Nous obligés de ligne pour faire politique. Donc, ligne soit le bon, soit le pas bon. Ça veut dire d'abord, il faut que vous fassiez la théorie, n'est-ce pas, de la ligne, et puis pour appliquer la théorie. Et c'est ça le fait, lui-même. Donc, moi, je pense que c'est un exemple pour les politiciens haïtiens, pour ne pas vaciller leur bonne position, c'est pour qu'il y ait une position. Et c'est là, président, on grand leader là. Son grand leader, d'ailleurs, nous avons le cas dans le système, il sortit en côté, c'est qu'il fait non. Il fait non au point de vue politique. Parce que pas de monde qui est contre Trump. Je ne connais pas que Trump est républicain, je ne connais pas des démocrates. Seulement, lui-même, il paraît, il est entré dans le républicain, il fait monde marcher derrière. Si Trump ne fait pas non de mettre là, pour des autres Trump fait, qui ça va faire pour remplacer? Ou elle met en position que le monde ne peut pas remplacer? Hein? On est qui arrive à la justice, il y a plusieurs chefs d'accusation, il met en situation paritel, et parti républicain n'a pas révoqué comme monde qui représente les républicains. Au contraire, il fait monde marcher derrière jusqu'à ce qu'il arrive à gagner l'élection. Donc, son gros politicien. On met ça sur la guerre, tout à l'heure. Ah bon, c'est avec peuple haïtien. Pour me dire, haïtien, pas mettre en tête que mon affaire, mon nom. Il faut nous retirer l'esprit ça. L'esprit de la domination, n'est-ce pas, de la colonisation, dans l'esprit, nous toujours. Il faut que nous retirer. Nous toujours penser que nous ne sommes pas maîtres, nous sommes nous sommes esclaves, nous sommes maîtres là-bas, nous l'ordre. C'est mon noyé. Nous bien longtemps, nous sommes sortis dans l'esclavage. Physique. Mais mental nous toujours occupé. Goumé pour nous retirer, n'est-ce pas vrai, l'esclavage mental là. Goumé pour nous affranchir, n'est-ce pas vrai, mental non. Pour nous avoir l'autre mentalité, pour nous connaître nous pour faire pour pays. Non, personne ne va faire rien. Faut que nous reconnaître que pays ça, c'est pays panonier. Faut nous entendre, n'est-ce pas vrai, sur des positions qui permettent de développer notre pays. Désir, et moi qui te font avancer, oui, sur ensemble de paroles. Ça me change, c'est député Wilbert Deshommes. Wilbert Deshommes, c'est député. Et bon, député, c'est pas quelle belle cause là. Je ne vais pas nous mentir en Haïti et puis à l'étranger et tout. Monsieur, c'est ton gars. En grosso modo, désir, ça, réaction pour la réaction après déclaration de député.
ancien député Wilbert Desormes, vous gardez la position, monsieur, yon nationaliste qui démasquait tout mensonge, tout bluff que l'État haïtien a bail, quel tenait qui dans capité, quel tenait qui dans gouvernement, quel tenait qui dans la police, tout nègre sous bluff. C'est ça que me comprenez, oui? Parce que, bon, si vous avez attaqué, qui puis se passe là, matériel qu'on gagne, ou abdou qu'on manque, yon même yon pas gagne. Vous-même qui dit où c'est président, qu'après tant son l'autre président pour venir changer ça, où c'est président tout. Mais le président ça qui a pris disposition pour changer la CAILIA, ou qui a opportunité en capitaine pour changer la CAO. La visible situation, nous trouvons dans une situation bloc sous bloc, bon côté, toute autorité qui est dans l'État. C'est ça, me comprenez dans la déclaration, vous les hommes. Bon, il est clair, parce que ça, les par exemple, tout un PM Gary Kouni a dit que. Et même pas pour la police, là, a parlé pour dire la police a sous-estime et sous-équipé. Et la police a si, la police sans ça, pas la tibatata. Avec tout ça, yo, y a cherché de faux prétextes. Alors que je dis, hein, la police a plus que une soixantaine blindés. Comme il a blindé ou quoi? Il a blindé ou quoi? Blindé. Mais la police a plus que une soixantaine blindés. Et la police a de nouveaux matériels en termes de munitions et puis pour capable mener opération. Est-ce que tout assez journée y a plein on seul bagay, la police a sous-équipé, la police a manqué matériel, la police a manqué si d'ailleurs où est monsieur m'dé dit ça oui m'dé dit la m'dé dit Ramon en mille service communication la police m'dé dit service communication PM nan campé avec promotion propagande, mais il y a fait toute la cette journée, tout le n'importe TV viré, TV vidéo, la police est ici, la police est là, la police est ici, la police est là, alors que réalité a dévangé Mounio, le contraire. De 10 PM dans tout, ici en émission, campé avec programme PDF photo, pas si pas là, campé avec album photo, avec album vidéo, la fait. Hein. Parce que ça va être là, hein? Parce que réalité a dévangé Mounio, avec PDF faire photo tout côté aller ou aller dans toilette ou faire photo ou manger faire photo ou marcher faire photo alors comme si ou ba moun l'impression que la vie a bagarre alors que dans même moment que ou même faire photo ça yo bandi a tuer moun Solino bandi a tuer moun Front National bandi a tuer moun dans Semak bandi a tuer moun dans Savien bandi a tuer moun dans Gressier kounya la ça va di moun yo ant ça va vendre avec réalité à salier vrai mais qu'il grimper comme m'a regardé quelques jours là. Mbawe quelques photos un album photo ben album vidéo ou ni même pas toi même fait ton bagage dans l'état ça parce que la propre sur capité à la cap mandé pour changer ministre et lui même ni capé dans ni pas dans question changer ministre ça yo il a dit capité à faut que dit un mot dans deux ces trois conseillers qui impliqués dans scandale corruption yo et Ramon Amil tout avec la police là après tu fin faire gros fly tu fait mais il fait plaisir fly premier fly au fait dit 104 bandits me présenter quelques grains d'âme. Deuxièmement, il y a peu de diapres contre Solino. Et puis, chaque fois, bandi a fait coup de gars Solino. Il y a peu de présenté puis le TV depuis le bagage. Et vous avez un pas briglé. Et dernier fait que vous faites, c'est les gonds ou zam. Et pas même en Haïti, même non. Et puis, vous présentez tout ça, c'est en Haïti. Et puis, vous qui ban ne Kenyon qui ban blou fait. Vous commencez gras, parce que chat kaipe. Et puis, il a fait démagogie, rentrer dans nos cailles, dans sa vie. Pas dans sa vie, non, mais on est, on est bien dit. Kafoupey, vous comprenez? A fait démagogie, les gars, on commence, on baille carbone, il va briller la tête, ou? Pas de baille, c'est l'affaire. Et le gars, les abnés, c'est quoi? Comment tu comprends, non? Elle dit, ça, vous comprenez, bagarre bien. Elle dit, nous, on a affaire avec des bluffeurs. Des bluffeurs, ni dans le capeté, ni dans le coin, tout côté net, bluffeurs envahis, nous. Deuxième, regardez là pour moi, Ozmo Jean, ça gagne mon frère. Ça gagne Ozmo Jean, ça passe papa. Moi Ozmo pas là tu. Et c'est la dit tu même. La dit tu venir aider nous. Eh ben papa. Maman. On a des Ozmo. Et Ozmo ça passe même, pas la même. Il y a combat Donald Trump haïtien prend la rue avec Jimmy avec Tony Mix, fait tenter à faire l'obey alors que la caille pas écrasé. Américain pas voter Donald Trump pour intérêt Haïti, pour intérêt haïtien que aux États-Unis. Si Haïti a besoin de monde pour voter, s'il a besoin de monde pour défendre l'intérêt, pour retirer la caille, pour garantir la sécurité, pour mettre la paix, pour rétablir l'ordre, pour rétablir la sécurité, il y a un seul choix. C'est
vient mettre main pour une bataille pour sauver Haïti. Donald Trump, Obama te déporté plus que Donald Trump. OK? Dans l'élection. C'est non le pourquoi? C'est parce que dirigeant américain a transformé Tétio en dirigeant Haïti. Ça veut dire, politique américaine, ça fait nous prendre à cœur. Parce que toute situation que Haïti a connue là, question insécurité, non, je dis question seulement, il n'y a pas simplement insécurité, mais je dis situation de destruction d'Haïti, il dépend d'abord de la politique américaine avec exercé en Haïti. Si c'est la politique, l'administration du programme qui met de côté, c'est gestion qui met de côté. Si c'est prise de décision qui mène nos côtés, nous, si nous faisons politique en monde responsable, nous devons tenir compte des monde qui sont venus et qui ont gagné pour prendre charge pour remplacer Biden. Bon, moi-même, position à plusieurs reprises, je souhaite un Donald Trump, le retour de Donald Trump. Des monde qui proposent hypocrite. Il a dénoncé Donald Trump, le fait que Donald Trump te dit Haïti tourne yon saleté. Mais pour moi, c'était pour fouetter orgueil. C'était pour fouetter orgueil. Les parents. Et heureusement, vous avez dérangeant des Iradans. Vous avez dérangeant, pile heureusement, Jean, dit vraiment dérangeant. Vous parlez pour Ousmane? Yeah, parce que vous avez dérangeant, pile heureusement, Jean. Et moun yo pa vraiment tande ça heureusement j'ai dit hein peut-être nous excusez nous près de 2 ans metté nous yo on comprend mais vraiment bou ya dérangé nous obligé pas ka fin tande il j'ai bon d'attendre là parce que nous doit tande heureusement j'ai mais ni clair en grosso modo heureusement j'ai étant monté que la position c'est sous il était pour retour Donald Trump qui donc on a dit ça mais saluer l'élection et nous camper ferme ensemble avec vous dans décision déportation des migrants. Nous-mêmes, nous appuyons et nous demandons pour utiliser des mesures drastiques pour nous retourner à la caille. Les Haïtiens ont cherché un passeport. Ou tout le monde a cherché un passeport. Mais l'identité haïtienne est menacée. Le pays est menacé. Donc, qui ça nous doit faire en tant que monde? Nous, tout le monde qui est l'autre bord, retourner dans le pays nous, pour nous planifier, pour nous passer pays pour nous libérer Haïti. Donc, vous favorisez une déportation massive. Ou favorable à une déportation massive, bon côté président du Barreiro. Bien sûr. Donc c'est ça la position de l'IHD. Mais... Nous demandons que pour Haïtiens, tourner en de pays, surtout les cadres DRH, professeurs d'école, tout le monde qui parti, vini pour nous chita, pour nous planifier pays, pour nous retirer, pour nous bailler, pour nous capables de venir au pays dans la dimension histoire. Nous-mêmes, ça c'est position nous. C'est ça que fait nous demander Donald Trump pour lui mettre pour lui prendre des mesures drastiques. Pour permettre que tout migrant retourne à la caillou, tout migrant vini dans le pays pour chita, pour planifier le pays. Là, nous avons des nouvelles, ça nous-mêmes nous contents. Parce que nous avons Joe Biden qui déjà a mis tout monsieur mal intentionné dans le pays. Il porte des amis, la majorité des amis sont de l'État de Floride, pour être capable de créer un programme Biden pour prendre tout cerveau, tout cadre, tout intellectuel dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous-mêmes, en UHVN, nous dit Donald Trump, il faut qu'il applique des mesures fermes contre la politique migratoire ça, et puis voyez nous tourner dans le pays pour nous capables de planifier le pays. Les Haïtiens conséquents qui viennent là, qui viennent bataille contre CPT, qui viennent une bataille contre Gaï Koni, qui dirigeant le pays, qui dirigeant le gouvernement par tâtonnement, et puis pour nous entrer dans l'intellectualisme, pour nous entrer dans des approches théoriques, pour nous entrer dans la dynamique de la pensée, pour nous développer Haïti dans toute dignité. Donc, vous souhaitez, Donald Trump lui-même, lui appliquer politique migratoire qui s'est mettre tout le monde bien qui n'est pas correct bien sûr. Dans le pays, y compris Haïti. Ce n'est pas le monde qui n'est pas correct. Le monde qui n'est pas légal, alors. C'est retirer tout le monde, tout migrant voué dans le pays. Pour venir chita, pour planifier le pays, et puis pour être capable de joindre des pistes de solutions face à problèmes qui viennent dans le pays. Par exemple, mes amis, on nous montre un exemple très classique, très basique. Moi, c'est au Saint-Joseph. Si je suis la caille qui m'habite, et si je suis la caille pour mal vivre la caille en tant que voisin, ça n'a pas de sens. Si la caille, c'est la pluie tombée, l'eau tombée sous moi, eh bien, je cherche un boss pour venir, je cherche un technicien pour venir pour porter solution.
Haïti, c'est qui ça a gagné journée aujourd'hui? Haïti a un problème des hommes de bonne volonté. Haïti, nous, qui vient à point ça, au-delà des hommes de bonne volonté, moi-même, moi, entre dans l'arène politique, je suis enseignant, je fais coup. L'emgade moi pays a plongé, je me dis, bon, je viens aider dans la question et organisation de la cité, organisation du pays. L'em entré, moi je ne suis pas qu'un sort qui a fait politique en Haïti. Peuple haïtien, faut me dire, nous, ça, bagarre, j'en reviens. N'est qu'à faire politique, yo, yo sort, yo pas non qu'un, yo pas non qu'un ancrage épistémologique, yo pas non réflexion, yo pas non pensée constructive, yo pas qu'à développer pays. C'est peut-être ça, nous demandons pour nous faire l'autre promotion. Faut que nous prenions une nouvelle classe politique, côté nous gagne des jeunes qui formés, qui capables de jouer des pistes de solutions avec problème. Et là, ça va pouvoir, aucun haïtien pas présumer ville dans la partie. Dernièrement, la Brésil lancé, ouais, tout. Mais nous connaissons un problème qui était fait en pile, monde qui était payé, c'est question de sécurité. Mais où m'en pour retourner et où souhaitez pour Joe Biden vous retourner tout, problème n'a pas résolu. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour Donald Trump t'avoue et mon ça tourner par rapport au problème qui t'est fait ou aller. Peuple haïtien, je dis à m'a dit nous ça à tout cœur. Et m'a dit nous ça, c'est parce que nous même en dans l'université, nous réfléchis déjà sur ça. Haïti pas un problème de sécurité. Haïti, nous pas gagne des terroristes en de pays. Par exemple, si nous prenons Nigeria, son pays gagne beaucoup Arab. Beaucoup Arab compte pas être dans l'école. Diffuser plus de 200 moni. Est-ce que monsieur Améo, j'aimerais venir dans la dimension ça. Monsieur Améo, c'est des monde qui dans qui grand goût, c'est des jeunes qui pas gagne avenir qui pas mais il a franchi limite la blaise. Et pas nèg ça vient descendre pour son détruyer et plus qu'on centaine de monde. Allez mon cher, qui des nèg m'a venir changer quoi ça monsieur dit parce que moi voulais monsieur fin parler m'a venir sous point ça mon cher. Changer. Et puis zam la tombé dans Améo et puis on dit bon mettons belle maillot. Bon mette, bon moulon belle machine. Et ça qu'on a pour automatiquement que les jeunes ont tombé faire photo, ils pour montrer nous. Donc ça, c'est cette histoire de terroriser nous, hein, n'est pas pour arriver dans la dimension ça. Donc, de ce fait, pas de sécurité en Haïti. C'est des politiciens malhonnêtes, des hommes de malhonnêtes, des criminels, mais des fatras politiciens qui utilisent les gens dans l'objectif pour mettre des babouquettes dans la bouche. Pour que les gens ne pas manifester. Ou moun yo pa mande de l'eau, ou moun yo pa mande l'école, ou moun yo pa mande l'hôpital. Donc c'est ça, c'est comme ça yo utilisé nèg yo et puis de complicité avec Joe Biden, démocrate que nous là moi tout ça ça mande démocrate, c'est démocrate qui armé tout pays d'Haïti qui bloqué toute route nationale yo. Là dans la tonté là moun te ka voyager par-ci par-là. Donc c'est eux même qui mettent nous dans situation pareil et bien nous même en tant que haïtien, nous même en tant que haïtien qui comprennent l'axe géopolitique nous dit, pays a pas de problème de sécurité, peuple haïtien rentre là kay nous, depuis nous déchouquer CPT, nous déchouquer Gaïkoni, nous mettons des haïtiens, et pas des apatrides, nous mettons des haïtiens qui ont fait des approches théoriques, et puis après que pays a des problèmes, zéro problème de sécurité. Donc selon même Ousmane, et si toutefois Donald Trump lui-même t'a déporté Haïtien, on pense que le pays d'Haïti lui-même a une chance pour l'insécurité à résoudre. Non seulement le pays d'Haïti a une chance pour l'insécurité à résoudre, et tout notre problème nous a résoudre tout. Question fatra, question Simon Bak à l'école, question la manjaille. Parce que combien de gros hommes nous avons qui vivent aux États-Unis? Non, c'est une enquête qui me démène. Moi, nous avons plus que 4 à 5000 agronomes qui vivent aux États-Unis. 4 à 5000 agronomes répartis sur 10 départements pays d'Haïti. Quand des hommes à penser, à réfléchir, mais on a des gens qui résolu le problème qui sont manger. Nous avons plusieurs intellectuels, sociologues, des psychologues, des professeurs d'école, des enseignants qui partent, qui vont agir. Depuis que nous avons des pays à relancer la question d'organisation, en termes d'organisation, et en termes de structure. Parce que ce n'est pas des coquilles vides, c'est des gens qui maîtrisent des notions politiques, des gens qui ont des savoir-faire. Donc c'est eux-mêmes qui ont retourné là. Je ne vous dis pas. Moi, nous préparons la bourgeoisie. Nous pensons que c'est paysan, c'est Sanoué les clochards ou bien Sanoué les cocoacho. C'est au parti. Non, mon cher, c'est des cadres qui partent. C'est des cadres qui ont retourné là. Cadres dans l'Elvini. La vie réfléchit. La vie réfléchit sur le problème. Et là, ça, je ne veux pas pour venir jouer Gaïkoni, pour venir jouer Leslie Voltaire, qui a encouragé gang, qui a une répression comme modèle. Et puis, là, ça, après Haïti, les libérer et puis Haïti, les fonctionner. Mais quand on prend des votes, pourquoi ces migrants sont bien là-bas, etc. Bon, et j'en ai toujours dit nous-mêmes, nous faisons l'histoire. Nous comprenons que nous sommes dans l'esclavage, nous avons des esclaves qui étaient coachs.
Donc, les mecs, ça a été fait pour partout, pour travailler, sur le travail, à calo. Lorsque nous avons fait bataille indépendance, nous avons lancé la révolte générale le 22 août 1791, les gars ont dit attention, nous ne sommes pas d'accord avec les bagages, nous ne sommes pas d'accord. Mais là, vous venez comprendre la dynamique de liberté, ils ont tout entré. Je dis, Osman Joseph, vous avez une position, et position, son position qui réfléchit, qui calcule, qui planifie. Ou même qui est aux États-Unis, l'autre de m'a demandé pour retourner. N'était pas qu'à penser que m'bavo vivre bien, c'est pas du tout. C'est pas ça mon intention. Mon intention c'est vivre bien en Haïti. Parce que l'op vivre bien en Haïti, ou pas bien pour paix, aucun nèg qui vienne président parce qu'il pas il pas jambe zou, il va le déporter. OK? Donc c'est la dynamique ça, c'est pas vivre bien aux États-Unis, c'est pas vivre bien ces domaines, c'est pas vivre bien la France, c'est vivre bien en Haïti. Et il y a une possibilité pour vivre bien en Haïti dans la mesure que nous conscients que nous sommes des Haïtiens, que nous gagnons seulement là pour nous vivre. Et c'est la dynamique ça que moi-même moi inscrit. Bon, et Osman Joseph, professeur, moi-même, je vais aller ici, il y a quelques points. Osman Joseph avancé là, il y a quelques points que moi d'accord avec elle, mais en même temps, tout, il y a quelques points que je ne suis pas d'accord avec elle. Et presque sous dernier parole, M. Dian, je suis d'accord avec elle pour me dire que le meilleur côté qu'on est capable à l'aise, c'est le lacayou. OK? Meilleur côté qu'on capable à l'aise vraiment c'est le lacayou. Les que nous goumet pour gagner l'autre Haïti, les ça haïtien qui vivent en Haïti mais haïtien qui décide à vivre en Haïti yo, il va gagner la paresse que pral gon président pral venir la déporter ouvrir. Ça me d'accord avec monsieur. Par exemple, si Haïti bon haïtien, haïtien qu'en Haïti ou bien haïtien qui gagne qui était payé longtemps qui décide tout en Haïti, pas gon un président haïtien pral venir la déporter, parce qu'il déjà dans pays yo. Jusque là, je suis d'accord avec Osmar et professeur. Mais Kounia, ça que pour Osmar, Genba Osmar dit que moi-même, si j'en pas trop d'accord avec elle, mandez pour tout le monde qui retourne en Haïti pour venir réfléchir et pour venir goumer, je demande à Osmar côté moun qui tape goumer quand je venais lui. Est-ce que Osmar songe bataille ou ensemble de mais dit pays en télévé n'a mandé côte cop petro caribé côté mounzao côté bataille ça m'a rendu dans nos désirs côté côté mounzao côté bataille ça est-ce que bataille là il fin mené et nous joindre la chapeto caribéen ou bien nous j'ai une explication sur lui ou dit moi est-ce que groupe mounzao côté aujourd'hui en pile pas même en Haïti en pile pas en Haïti et en laisser me dire tout en pile c'est des moun qui était instrumentalisé. Yo t'a fait travail boss yo. Yo t'a fait travail des secteurs pa yo. Mais yo pas t'a fait travail pays vrai. Kounya mais yo t'a vend nous un bagage comme quoi, y a sensibilisé peuple haïtien pour mande côte cop petro caribéen. Et c'est vrai, faut demander côte cop petro caribéen parce que comme ça qui c'est 4 combien milliards de dollars qui t'est là pour faire développement dans pays que les yo mangé là. C'est normal, faut nous mande. Mais groupe qui t'est initié question ça, mande côté groupe ça. Mande côté yo. Mande est-ce que y a pas de monde qui t'a financé yo? Kounya an gade. Combien fois que nous enclenché des batailles déjà en de pays de groupe enclenché des batailles en de pays que bataille ça ou abouti ou dis-moi est-ce que bataille ça gagne une idéologie vraiment? Bien que c'est pas même bataille et pas dans même contexte. Je dis à mande côté groupe monde qui t'a dit que si nous avons et Jovenel Moïse aller dans un rio. Côté artiste, qui chaque dimanche, comme vous ne connaissez pas comme des carnaval, mais chaque dimanche, vous organisez un défilé DJ. Les Isolants, les Mathias, les Didio. Mathias pas Haïti encore. Non, ouais, vous connaissez, c'est gros moraliste aux États-Unis, mon cher. Gros moraliste, mais là. Gros moraliste. Je veux dire, la papa de l'élection de Haïti, mon cher. Gounia, faut la garder là tout. Dernier qui te dit c'est Jovenel qui problème, allez Jovenel allez. Je dis à pays a tout bagay. Gounia là, ou pral dim. Monsieur dim pas qu'est terroriste en Haïti, mais par contre comme professeur, moi monsieur connait ça les définitions terroriste. Si ça les gars faire là pas terroriste ça lié men. Hein, ça lié. Ça pas de votre petit vicieux qui cherche manger. Même ça parler de Boko Haram. Eh ben qui ça next arrive pas Boko Haram et tout. En les nèg qui entre par exemple nèg dans la Tibonite dans Ponsondé
négotué jusqu'à présent, pourquoi j'aime des chiffres exacts combien mon négotué n'a pas sauté, non? Jusqu'à présent, non? Les nègres yo mette plus que 700 à 800 000 moun dans la capitale haïtienne dans deux yo. Par contre, comment on dit ça? Les nègres garantent que non, kay, li boule, li touye, li viole, maman, li viole petit, li viole sè. Par contre, comment on dit ça? Je dis à Mab d'accord, à chaque fois on a dit que c'est yo instrumentalisé nèg yo, mais kounya, ça nèg yo a fait là, yo qui négocie, mais tu es, yo pas gen boss. Mbre discours, ka pede dit que c'est travail boss yo a fait, m'kone oui, mais je dis en là, nèg yo se met tête yo. Bien, lèm di yo se met tête yo, a dit, yo toujours gen boss oui, mais gen de action nèg yo a posé là, et pas boss ak ba ou l'autre là. C'est pas boss ak ba ou l'autre là, c'est y a fait affaire yo. Imagino, négocier là dans des Solino. Négocier là dans des Solino. Mais en fait, la fin d'connait. Est-ce que problème non? C'est boss un boss qui dit yo, faut que détu Solino ou dit monsieur qui dit bon, faut que crase Solino. Faut poser question. M'ka d'accord. Premier groupe zam négocier gagnant, c'est Bayo té Bayoul. Mais zam yo kounya c'est Bayo Bayoul. Lève dit Bayo Bayoul, dit c'est yo arrange yo cache les armes yo. L'élan mou san jou mette de nek kapel mare yo. Li di yo se vole. Ebe, sa le li men. Ebe, li tire nek sa gran la jouni tout moun we. Le même l'élan mou san jou a pon un nek, yo mette le couche a te otil. Sa yi. Le nek yo ap detui. Kap si yap detui yon moun, un goup moun, pi yo kapab moun keke, yap fè zèb, yap poplas. L'état, yap bay moun lache, yap bay moun manje. Lache a manje sa kote yo jouni. Il était travaillé pour lui, et bien on l'a détruit. Par contre, vous comprenez? Par contre, vous comprenez? Vous avez dit que vous comprenez, et dit ça moi-même. Bah, le problème, non, c'est l'idéologie, monsieur. Mais qui des points là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mandez pour déporter tout haïtien, yo, pour venir faire pays, vous pensez pays, je pense que oui, c'est pas ta, ça. Et pas ta problème. Et pas ta problème. Mais comme ça m'a dit, faut ta éliminer génération politique qui là, classe politique qui là, société civile qui là, droits humains qui là, oligarque corrompu. Faut ta regarder ça honnête. Si nous aussi, y a déporté haïtien ça, y a un peu avec même mon présence, même mon ça yo, on est pas jamais changé frère, on est pas jamais changé. Ok, moi d'avance les désirs. Moi dans la situation qui est dans pays à Blaise, moi chaque fois que m'a regardé, ouais nous, non analyse nous, non compréhension, nous ouais l'autre Haïti a les capables possibles. Mais non ça que m'a regardé la pas de conscience. Ensemble autorité perdue, ça a gagné comme unité. Y a pas pour faire n'importe qui bagaille, n'importe qui l'est pour bosser pour patrouiller pour l'argent. Et aucun peuple qui accepte n'importe ça. Yo jwenn n'importe ça que vous pote ba yo n'importe ça que vous offrir. Ou gon peuple qui puis ça prétend que vous vinn voler au secou yo, pour les arranger yo, pour chercher stabilité pour propre tête yo. OK? Professeur a dit on bagarre Blaise et sous question problème de sécurité a, yo pratiquement conduit nous toutes dans situation pour parler de insécurité. Parce que ou pas ka ouvrir une page, ou pas ka ouvrir une news pour pas qu'il a parlé de insécurité de la situation en Haïti. À partir de ça, que nèg yo tout continue dans van corruption, dans faire toute qualité brigandaille dans l'administration publique là. Moi-même, moi crois que pendant la parler d'insécurité, je dis en bataille que nous devons mener contre la corruption en dedans pays, il doit venir en bataille réelle. Surtout l'année pour un conseil présidentiel qui décide à l'envol. Tout haïtien ou bien tout immigrant qui aux États-Unis d'Amérique t'a de déporter. Malheureusement, son professeur à l'université qui a parlé comme ça, il n'a pas évalué ça l'abdia. Est-ce que les États-Unis, pratiquement, a bien plus de bénéfices en déportation et immigrants ou bien ça fait plus de déficit? On va vraiment croire que les bénéfices sont plus bons pour les États-Unis, non? On connaît la grande pile maintenant, hein, vers les États-Unis d'Amérique. Si tu as décidé un bon matin, tant que tout le monde comprenne, retirer tout immigrant. Bon parti qui est apprécié. Parce que monsieur Mouto lycée, yon nationaliste. On est qui remet la caille. Parce que si là, faut continuer à vivre là. Mais c'est parce que lui-même, il sentit que ça a fait à la pas fait le paix.
Mais e moun ça ka fait la fè le pays. Qui retire tête pour protéger la vie famille. Comme si comment ta vle, on est tant koum, ta arrêté camper ti rivière, nan mitan nèg sa vie ka déchirer moun nan niveau ça. Comment ta vle ça? Mais même parce que réflexion yo, yo besoin pi bien cadré. Essayez garder fait sociologique qui est là. Analysez bien. Parler de Boko Haram, eh ben nèg va agir différent. Peut-être monsieur parler nèg Boko Haram aller l'école, yo touyé moun l'école. Mais nèg ça yo, yo parle l'école, ou parler que nèg de pour entrer l'église, al kidnapper moun, al faire toute qualité exaction. Ou parler de Boko Haram qui qu'on a l'école qui a touyé moun. Et nèg ça qui en est allé. Bon, quel est côté entrer l'école, l'église détruit. Nèg l'hôpital, yo détruit. L'hôpital, yo détruit. L'université, yo détruit. Bon, même loge kenèg yo di yo kwè, yo kwè nan mystique, yo se la, ouè même loge va épanye ba nèk sa ou. Et puis je dis pour abdi yo pa théoriste. Zak ki a posé la, ki non ki a bali. Mon ta bien remè ke professeur ba l'on nom blesse son. Merci à pile de Zivenes, merci avec un se moun tanè le bandi a kravat nan. Kounia, le ke nou ke kontrol moun sa yo, nap empêche ke sam sa yo, nap empêche ke objet sa yo, munition sa yo pa entre dans pays an. Et si tout ou ta gen ki ta osé entrer kou nou pral chercher konnen pou ki est-ce ki pou ki est sur entrer an et ki est-ce k'ap recevoir et ki pote bagan armé yo y pa bliye tout et c'est là oui question bandi a cravate nan sorti parce que c'est moun sa ki nan haut niveau dans l'état si yo recevoir sa yo et c'est eux même qui pote l'aller alors yo recevoir voile yo fait dili avec je dis amba c'est que faut que de strict et de strict surveillance OK faut que de strict surveillance sou moun sa yo OK faut que de strict surveillance sou moun sa yo et quel que soit moun que lié quel que soit groupe que li appartient li la donne quel que soit secteur que li la donne OK quel que soit groupe là quel que soit secteur que la donne faut que de disposition qui prend OK faut que de mesi qui prend doit que de disposition qui prend pour capable contrôler surveiller parce que me dit jusqu'à présent, société a pays, peuple haïtien, il y a besoin qu'on ait qui est 11 à 12 familles qui ont commis des armes en Haïti. Je dis en pays, en société, il y a besoin qu'on ait qui est 11 à 12 familles qui nous a fait des armes en Haïti, commis des armes en Haïti. Yeah. Pays en société a besoin comme ça. Pays en société a besoin comme ça. Yeah. Pays en société a besoin comme ça. C'est clair. Aime-le que chaque monde comprenne. Aime-le que chaque monde garde ça. Parce que nous pas capables en quoi avec question insécurité ça. Nous pas capables en quoi avec situation que pays d'Haïti a connu là. Baron si vous même ou capable parce que normalement ce qui était la donne au compte que t'a remis ça vient plus mal. Yeah. Ce qui était la donne monsieur est certain t'a remis ça vient plus mal. Yeah. Ou t'a remis ça vient plus mal ce qui était la donne. Mais moi certain que majorité peuple haïtien OK majorité peuple haïtien li pa gen intérêt dans sa guerre comme insécurité au contraire si la ki pi mal yo victime de insécurité hein yeah. Classe défavorisée li même li déjà victime de insécurité hein. Yeah.
si la kipi malio, yo victime de insécurité. Yo victime de insécurité. Quel je dis, insécurité a fait plus mal avec pep pays, pep haïtien, qu'elle fait bien. Parce que ti groupe ça qui seulement bénéficie et qui crée insécurité, li pas plus que majorité qui a souffri. Yeah. C'est bien samedi. Ti groupe ça qui crée insécurité, et qui a bénéficié d'insécurité, et ti groupe qui a cravate, ti groupe qui a sapat, li pas plus que grande majorité qui a victime de l'insécurité, li pas plus passé. Li pas plus passé. Qui donc je dis afin de comprendre. Je dis afin de comprendre. Je dis afin de garder réalité et situation qui existait. Hein? Yeah. Je dis afin de comprendre. Je dis afin de garder ça qui existait comme réalité. Hein? Ça qui existait comme situation. Vous avez moi dit que Leslie Voltaire, président KPTN, qui rencontrait ensemble de acteurs et responsables dans le secteur ça, question portuaire nous prend nous, nous trouvons son très bonne idée. Très bonne idée. Et diaspora a pris souple, aidez nous tout. Diaspora haïtien, aidez nous. Et surtout si la cap aux États-Unis, aidez-nous. Parce que yo rend nous responsables de l'insécurité. À côté de 11 mois, mais cap 20 ans en Haïti, qui est le commerce en Haïti, bien que, il y a pas de question, mais yo acquise en pile dans la diaspora. Yo longe de sou en pile dans la diaspora. Comme moun qui accepter rentrer dans le commerce ZAM, voyez, vendre ZAM illégal en Haïti. Je dis, moi, c'est que l'important, moi, c'est que l'important en pile pour nous d'abord la société en bourrade. Parce que, vous comprenez, pour 2, 3, 4, 5 000 dollars américains, mais on va imaginer combien la vie vous détruit. Là voyez un AK-47. Là voyez ma konne gros âme, gros calibre. C'est vrai. Pour 10 15 20 millions d'américains, oui ou bien. Ou bon bel comme nan main, on peut-être quoi bien vivre. OK. Mais est-ce que imaginez combien moun nous détruit? Et moun sa mouri là, c'est sous conscience ou? Et même là bien manger, bien boire l'argent, ça bien jouir. Ou passer l'esprit en paix. Se pense l'esprit en paix. M'a quoi l'esprit en paix. Parce que ouais là, ouais, en pile débat qu'a fait. En pile débat fait là. Sous question ça. En pile débat fait. Sous question, est-ce que si Trump vient ivré, je le tape dit, et États-Unis va connaître plus de déportation et en pile qui a ici absurde dans Springfield Ohio dans Florida nous ouais ça et les côtés là surtout Florida Ohio Springfield haïti commence à quitter zone ça yo pour aller de l'autre côté haïti commence à quitter zone ça yo pour aller l'autre côté parce que yo y a dit yo. Est-ce que ça cabine junior? Est-ce que ça de notre comptable Dio? Est-ce que nous allons faire ouvrir? Bien que nous connaissons les États-Unis, institution plus fort passé maintenant. Yeah. Bien que nous connaissons les États-Unis, institution yo plus fort passé maintenant. Même si vous avez dit que et même président, même sénateur, même député, même et qui ça me dit encore magistrat, que même gouverneur tout ça. Des institutions plus fort passé. Mais pendant les plus fort passé, pas oublier Donald Trump, c'est président. Il a gagné majorité dans le Congrès, dans le Sénat. Il a gagné majorité dans la Chambre des députés.
Donc, s'il prend des décisions, il est capable de jouer un obstacle pour passer. Yeah. S'il prend des décisions, il est capable de jouer un obstacle pour passer. Est-ce que vous comprenez? Pour nous, mais toute question qui a fait là, il n'y a pas l'autre, non? Aïssé, Pavle. Parce que moi-même, je suis réseau. Même nous sur réseau, ça veut dire que moi, tendez, me garder. En pile Aïssé qui est aux États-Unis, en pile compatriote Aïssé qui est aux États-Unis. Et surtout, qui c'est des influenceurs sur réseau, surtout sur TikTok. Surtout sur TikTok. Les m'a gardé, m'a tendé à proche. Après que Donald Trump finit réélu là. Ou après quelqu'un qui dit moi-même pas un problème que Donald Trump vienne le déporter même pas à Haïti. M'a quitté Donald Trump déporter pas à Haïti. M'a allé, m'a allé au Canada, m'a allé à la France, m'a allé tel côté, m'a allé au Chili, m'a allé au Brésil. Ça veut dire que Haïtien a continué fuir Haïti. A dit autant que Haïtien ouais qu'il capable exiler tête li de Haïti, c'est encore pire mon pour lui. Mais raison c'est raison c'est oui mes amis. C'est Jean Haïti est là dans moment. C'est Jean Payan est là insécurité. Bandi a prend zone, bandi a tué, bandi a violé, bandi a mettre tifé, pas gain la vie, moun pa ka manger, pas gain travail. Haïti tout ça yo. Tout ça yo dit moun nan que eh hein hein. M'bab tourner dans l'enfer ça. Et ça yo dit tête yo. Yo dit tête yo que yo pas pralé dans l'enfer ça qui c'est haïtien. Non. Yo pas pralé dans l'enfer ça qui c'est haïtien. Eh bien, moi-même, là moun dit, m'bab contre lui. Parce que il y a autant de raisons valables dans pour que ça dit que le capé d'elle. Il y a autant de raisons valables dans mail, ça l'a dit pour le capé d'elle. Parce que s'il était tout là, il est là quand même. Mais s'il était tout Haïti, s'il t'a vu ça qu'a passé, il n'y a pas de problème. Mais quand s'il pas Haïti, et il tendait ça qu'a passé Haïti, elle ou elle, il tendait elle ou elle, pas mandé pour l'aller. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont à Haïti, des gens qui sont à Haïti, qui vivent, qui résignent, qui adaptent. À noter. Problème ça qui existe surtout dans la question de sécurité, dans le Jabaral Aïla, dans la capitale haïtienne et dans l'environnement, et dans la Tibonite. Mais ouais, au Cap haïtien, malgré tout ce qu'on au Cap gagne la vie. Malgré tout ce qu'on Jacmel gagne la vie. Malgré tout ce qu'on Grandos gagne la vie. Malgré tout ce qu'on et centre de la vie, département centre. Malgré tout ce qu'on nord-ouest, nord-ouest de la vie. Malgré tout ce qu'on nip de la vie. Malgré tout ce qu'on sud de la vie. Mais kounya, si le pays a en entier, il a bien fonctionné, il a bien marché, il a la vie normale, il a bien activité normale. Est-ce que vous m'avez dit? T'as bien la vie normale? T'as bien activité normale? Yeah. T'as bien la vie normale? T'as bien activité normale? Malgré tout ce temps de là, yo. Malgré tout ce temps de là, yo. Si que pas de niveau insécurité ça, qui mène niveau misère ça, niveau grand goût ça, niveau calamité ça. Instabilité politique ça. Pays a pas marché. Tout problème dans le pays. Hein? Mais si ton pays était plus ou moins fonctionné, t'as marché, moi certain que, ou t'as vraiment gagné la vie en Haïti. Ou t'as vraiment que pays, j'en lié, bagaille plus ou moins. Mais malheureusement. Et ça fait un petit tête moins. Moi mette nek ki gen zam nan men yo. OK. Moi mette nek ki gen zam nan men yo. Un dirigeant ki la yo, quel que soit tes conseillers président et cap et PM ga ekoni. Moi mette classe politique haïtienne nan. Moi mette secteur privé haïtien la dan ki gen oligarque corrompu. Moi mette société civile la dan élite intellectuelle payant.
et droits humains. Moi mette et on franche dans diaspora dans même panier qu'a fait travail un seul maître qui c'est la communauté occidentale, les impérialistes, précisément les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France. Parce que si ça qu'a passé à Haïtien là, il pas conscientisé, il pas conscientisé moun sa yo, il pas conscientisé moun sa yo, il pas fait appel à conscience moun sa yo. OK? Il pas fait appel à conscience moun sa yo, il pas conscientisé moun sa yo. Eh bien, c'est comme si m'a dit mettez dans même panier. Parce que bandi yo nèg armé, nèg ap touye, nèg ap violé, y a metté difé sans raison. Parce que ou pas raison comme ça nèg ap faire. Bon, ba konnen yo ka jwenn feeling yo la dan. Yo ka jwenn feeling yo la dan, puis yo di hey, moule ça, m'touye ça, m'violé ça, yo ka di yo ka prend feeling yo la dan. Parce que yo c'est des psychopathes. Et ça fait comme si c'est la dan pour plaisir. Mais kounya ou même ka réfléchi. Ou ka dit et tout. Ou ka poser tête aux questions. Qui réseau fait faire ça? Et qui ça selon ou même même quand feeling nan est là? Quand feeling nan est là? Et de même tout. Les gars de secteur privé haïtien qui est ben méchant ça ou la donne. Qui la commet zam ça. Qui fait zam ça rentrer en Haïti. Et qui jodi an détruit un bon parti dans jeunesse haïtienne, OK? Qui jodi a détruit un bon parti dans jeunesse haïtienne. Qui jodi an, OK? Qui jodi an détruit un bon parti dans jeunesse haïtienne. Qui jodi an détruit pays ça. OK? Détruit un bon parti dans jeunesse haïtienne, non? Détruit pays ça. OK. Kounya Andy. Monsieur Sayo. Kote fierté a là. Parce que oui, nous goumen travail pour faire l'argent gen l'argent nous, bon, parfois dans de mauvaises conditions parce que nous détruit tout un peuple pour intérêt 2 3 4 5 familles qui veulent kembe richesse pays nan meyo. Mais nous pas comment que nous détruit peuple ça. Nous détruis jeunesse ça. Yeah. Hmm? Nous détruis peuple ça. Nous détruis jeunesse ça. Et je dis hein, ça fait mal. Tant qu'ou et Samba Tipaizil. Ça fait mal l'ap gade état pays ça. Ça fait mal. Les m'ap gade gens que nous nou fini avec avenir jeunesse haïtienne non. Nous déjà a passé. Nous déjà commencé gaspiller et même jeter espoir pays ça qui c'est timoun yo. Yeah. Espoir pays ça qui c'est timoun yo. Et je dis que chaque monde comprenne. Je dis que chaque haïtien comprenne. Pour que yo prenne responsabilité yo. Pour que yo prenne engagement yo. Prend responsabilité yo, prend engagement yo. Yeah. Prend responsabilité yo, prend engagement yo. Parce que pays ça n'est pas capable continuer à dépasser finir comme ça. Pays ça nous pas capable croiser bras nous pour nous quitter ces deux monde qui je dis après presque pas gain qui va ni vendre ni acheter
et qui bagay aucun intérêt dans Haïti, hein? Nous pas qu'à quitter ces moun sa yo qui continue à décider pour nous, à prendre des décisions pour nous. Et ces même moun sa yo tout qui mène dans sa na vivre là. Nous accepter. Accepter, oui. Nous va dire nous va faire. Yeah. Nous accepter, nous pas dit rien, nous pas fait rien. Nous pas dit rien, nous pas fait rien. Nous juste quitter à agir. Nous juste quitter à décider pour nous. Yeah. Nous quitter à agir, nous quitter à décider pour nous. Et c'est le problème, non? Nous quitter à agir. Nous qui t'a décidé pour nous. Et moi, je crois que, dans quitter, il y a décidé pour nous. Dans quitter, il y a agi pour nous. Dans quitter, il y a décidé pour nous. Dans agi pour nous. Eh bien, c'est là, oui, c'est là où on est haïtien. Hein? Et parce que nous quitter, il décidé pour nous trois, oui, comme peuple. Nous décider, il agi pour nous, non, oui, comme peuple. Eh bien, il y a pas côté de haïtien. A pas côté mené Haïti, hein, et là, on mène lui là. Je dis, on fait un Haïti qui est vivable. Je dis, on fait un Haïti que, et peuple, là, il n'y a pas l'arrêter. Parce qu'il dit, il n'y a pas qu'à arrêter là. Il fait que diaspora haïtien, je dis, pas qu'il y ait envie d'entrer la caille. Pas qu'il y ait envie à l'investir la caille. Il décourage. Mais, papa, nous m'a dit, ouais, qu'on y a avec Capeta deux équipes bluffées. Koni avec Capitaine deux équipes bluffées, deux groupes mesdames, deux groupes coquins. Koni avec Capitaine, deux groupes coquins et deux groupes mesdames. Koni avec Capitaine, arrangez ensemble deux groupes coquins, deux groupes mesdames. Arrangez ensemble, yo mettez Haïti côté là. Alors et bien, vous avez dit, vous arrangez vous kounya, pas comme si vous avez dit, au lieu de vous arranger, pour vous permettre une solution qui baille, ouais, y a goumé. Elle dit, deux coquins, deux mesdames. Elle dit, vous avez dit, vous avez même. Ok? Il n'y a pas de gérer ce pays. Non! Il n'y a pas de gérer cause pays. Ça fait pays à Panama, yo, man. Cause pays à Panama, yo. Ça Panama, ça pas dans plan, yo. Cause pays Haïti, changement pour Haïti, on l'autre Haïti, ah, ça pas dans ma yo, frère. Ça pas dans ma yo. Ça pas dans ma, monsieur dames, yo. Après, c'est bataille pour pouvoir, bataille pour ministère, bataille pour ceci, bataille pour cela. Mais il n'y a pas primé Haïti. Mais moi, peuple, ça. Peuple, ça va tellement son peuple qui. Il est tellement ballon, on s'en est aussi où tu voudras. Il y a un peuple haïtien, on sait où est-ce que tu voudras. Il oublie tout le bagage. Il a dormi. C'est comme quoi tout le bagage bien marché pour lui. C'est comme quoi tout bagage bien marché, bien passé pour lui. Tout bagage bien marché, a bien fonctionné pour lui. Comme quoi tout bagage bien marché, a bien fonctionné pour lui. OK? Tout bagage bien marché, a bien fonctionné pour lui. Est-ce que vous comprenez? Tout bagage bien marché, a bien fonctionné pour lui. Et je dis à nous pas besoin plein. Je veux dire, nous pas besoin plein. Parce que nous préférons dire nous. Nous préférons nous. Ça, c'est nos pieds à l'aise de la Kaimoun. Qu'elle fait effort pour ranger la Kaimoun. Yeah. Alors, ce côté, quand ranger la Kaimoun, on met les cailloux, j'en besoin là, dans le goût besoin là. T'as bien? Ou dès qu'à travail, on met la Kaimoun, dans le goût besoin là, j'en besoin là. Yeah. J'en besoin, le goût besoin là. Ou de ka mette la kaou nan niveau ça. Ou de ka mette la kaou nan niveau ça. Mais ou préférez
que voisine, mais voisin, bon petit côté pour loger quoi. Et ceci dit, li met au coucher devant cabane. Les lap descend, les lap descend cabane, li risque mettre pied main sous pied. Li risque mettre frapper, faire pied frapper dans tête tout. Tu préfères aller prendre humiliation la caille voisin voisine au lieu que on fait des efforts pour arranger la caille. Vous comprenez? Au lieu qu'on fait effort pour arranger la caille, mon préféré, c'est bien, ou préféré c'est la caille voisin voisine ou pour s'occuper à l'aise. Vous comprenez là non? Mais c'est ça qui a privé un peu l'haïtien là. Un peu l'haïtien comprendre que je dis non, il va gagner terre pour aller changer Haïti. Il va gagner terre pour faire Haïti belle. Il n'y a pas d'intérêt pour Haïti changer. Parce que Jean Haïti est là le plus bon pour eux. Mais préféré, ou après, et même j'aime d'adou, l'État pas encadré mon yo, mon n'a pas tel, pile comme kaote, centième tel, oui. Que si l'État te encadré à travers politique agricole, coopérative agricole, l'État te bal moyen, te gon politique qui te existe sous ça. L'État travaille la tel, l'État sorti les grands moun indépendants et l'État a bénéficié. Mon web, l'État pas encadré, on a obligé à passer en bas fil, à ses domaines, côté la travail dans le jardin, la travail dans la terre. Pendant ça, les qui ont pile de la qualité qui travaille, qui te fait, lui-même, tous son maître, ils sont boss. Mais il va faire un peu de fois. Il va faire un encadrement. Il va faire un encadrement. Yeah. Il n'y a pas de cadre. Je veux dire que nous comprenons ça. Je veux dire que nous comprenons ça. Vous comprenez? Si Haïti est comme ça, il faut regarder qui est-ce qui met Haïti dans ça. Yeah. Si Haïti est comme ça, qui est-ce qui mettait Haïti dans ça? Qui est-ce qui mettait? Mais d'abord, m'a responsabilisé même chaque haïtien. M'a responsabilisé chaque nous comme haïtien. Yeah. M'a responsabilisé chaque nous comme haïtien. Parce que pays ça, si vraiment nous te dit, nous pas pédé quitter ces des coquins, des mesdames, ok? Coquins à mesdames qui viennent diriger nous, coquins à mesdames qui viennent faire ci, qui viennent faire ça, ok? Coquins à mesdames qui viennent faire ci, qui viennent faire ça, nous te dit, ok, nous prenons destin nous en main. Nous te dit, ok, nous prenons responsabilité nous en main. Mettre quoi même souvler. Mettre quoi même souvler. Quoi même souvler. Pays d'Haïti va taper dans niveau ça. Yeah. Quoi même souvler. Accepter d'avoir même souvler. Pays d'Haïti, il va taper dans niveau ça. Va taper dans niveau ça. Donc je dis hein, ça me veut qu'il comprenne. Je dis hein, ça que me veut qu'il garder. Ça que me l'ai questionné. Ça me l'ai gardé, ça que me l'ai questionné. C'est ouais qui gens, qui moyen que ensemble comme haïtiens n'a prendre des décisions pour que nous arriver gérer sa guerre là comme problème. N'a prendre des décisions pour nous capable gérer sa guerre là comme situation. Parce que les problèmes sont en pile. Problèmes sont en pile. Les problèmes sont multiples. Problèmes sont en pile, sont multiples. Qui donc? Et la réalité est là aujourd'hui. Hein? Et ça qui a passé là dans le pays aujourd'hui. Hein? Les vraiment mérité pour nous questionner. Ça qui a passé là dans le pays aujourd'hui. Hein? Ça qui est là dans le pays aujourd'hui. Hein? Ni mérité qu'un questionnel. Et si on ne pas comprendre ça gain là, si on ne pas garder ça gain là, et pour le dire, hey, problème haïtien, problème qui gain là,
li vraiment compliqué, li vraiment exagéré. Comprenez bien. Comprenez bien. Et ça gagne la dure en pile. Ça gagne la compliqué en pile. Mais faut que volonté. Pendant le compliqué le dieu a signé volonté la résoudre. M'pa dit au bon matin. OK. M'pa dit au bon matin hein? Non. Mais problème qui gagne là, OK? Problème qui gagne là, ça gagne là, il est capable résoudre. OK? Il est capable résoudre. Il est capable résoudre et gagne pile disposition vraiment qui capable prendre il est au prend. Ou joindre ça qui doit joindre comme résultat comme solution. Yeah. Gan pile disposition, gan pile action capose et depuis nous poser action ça nous prend yo vraiment gan pile résultat qui capable bail gan pile action capable poser. OK? En pile résultat, en pile bail capable fait. Mais comme nous connaît réalité jodi, comme nous connaît situation à vivre jeune jodi, di mérite vraiment pour nous garder dans quelle dimension les mérite vraiment pour nous ouais qui gens nous capable solutionner qui gens nous capable rendre pays ça un pays qui fort OK un pays qui fort un pays qui diam un pays qui grand monde tête li OK un pays qui fort un pays qui diam un pays qui grand monde tête li moi crois vraiment un jour n'a goumen un jour que Haïti pas prêté comme ça. Yeah, moi crois ça, moi crois dans ça. Moi crois que vraiment Haïti pas arrêté comme ça. Peut-être par contre si m'a gagné en juillet l'autre Haïti, femme sincère avec nous. Même si m'a gagné en ouais l'autre Haïti a gagné en juillet. Mais moi veux pour génération qui vient après en juillet. Moi veux que modèle politicien ni la classe politique ni là. Question un petit groupe famille Kembe Haïti dans gauche là. Yon ti gou fami kembe richesse pays nan gòj lan. Non, mble ke sa si. Mble ke gen lòt group moun ki émerge dans le sens positif an nan pays. Et dans tout domaine, dans tout secteur. Je di yon mam di nou, c'est pas kay blanc pou nou taye. C'est la kan pou nou taye. Mwen kwè gwan ti ken sa, si sa biya isi mba trompe. C'est la kan pou nou taye. Et mais est-ce que la kay bon pou nou taye la kay nou an tout? Nan moment? Non. Moi pas dans moment mais la ca gagne des années là des décennies là plusieurs dizaines d'années là la ca pas jambon mais kounya la ca pas bon même d'ailleurs vim pi mal kounya la ca pi mal mais gagne plusieurs dizaines d'années là la ca pas jambon la ca pas bon moi même espérer que moi espérer et me souhaiter OK moi espérer et me souhaiter que un jour que la ca a bon mais faut travailler pour lui. Et pas dire dans bouche comme si moi-même cap dire là seulement mais moi-même m'a fait des actions parce que là m'a fait des actions veut dire que m'a sensibilisé m'a conscientisé que de haïtien pour comprendre que pour bataille pour Haïti bon pour goumer pour Haïti bon yeah m'a conscientisé yo m'a mobilisé yo il m'a fait comprendre que en gonfler vin nous parce que quand on seul nous fait mais ensemble nous fort. Si nous combler, si nous mettez force ensemble de force que nien là yo. Nous mettez ensemble de énergie n'a dégager là yo. Yeah. Mettez ensemble force que nien là yo, mettez ensemble énergie n'a dégager là yo, nous mettre quoi même. Nous mettre quoi même si nous voulez, n'a pas de résultat. Nous mettre quoi même si nous voulez n'a pas de résultat. Yeah. Nous mettre quoi même si nous voulez, n'a pas de résultat. N'a pas joindre résultat. N'a pas joué un résultat. Croyez-moi si nous voulons. Croyez-moi si nous voulons, depuis que nous engagons nous. Nous disons, n'a fait un seul, n'a pas collé les épaules. Yeah. N'a fait un seul, n'a pas collé les épaules. Pour nous retirer ici dans cette salle-là, on met croyez-moi. N'a pas joué un résultat que nous besoin. N'a pas joué ça nous besoin. N'a pas besoin de résultats, n'a pas besoin de besoin. Mais qu'on y a, c'est volontaire d'abord pour nous gagner. Ok? C'est volontaire d'abord pour nous gagner. Mais si nous n'avons pas volontaire, yeah.
Si nous n'avons pas volonté, nous mettons quoi même? Mais elle est vraiment difficile. Bon. Si nous n'avons pas volonté, elle est très très difficile pour nous. Elle est vraiment difficile pour nous. Et je dis, hein, et en pile haïtien, en pile haïtien, et en pile moun, doué capable comprendre, en pile moun, doué capable, ouais, je dis, hein, nécessité, obligation qui gagne. Yeah. Nécessité, obligation qui gagne. Pour bataille, pour goumen, nan aider résoudre sa gen la. Yeah. Nécessité qui gagne. Engagement qui doit prendre. Ok. Nécessité qui gagne. Engagement qui doit prendre. Pour arriver résoudre, pour arriver permettre que une sortie dans sa gen la. Parce que nous capables. Nous capables. Depuis nous voulons que nous capables. Et parce que côté nous, ça c'est nous confortable. Nous dans une zone de confort. Nous, ou pas, là, tu annoncé la déportation. Ou tout à en plus, là, ici, immigré ici, qui va voir. T'es chaud? Parce que, il était tellement senti, il y a une zone de confort. Ok? Il était tellement senti que, il était dans une zone de confort. Ou, et États-Unis. Et pas de jamais penser pour yo mettre pression pour forcer autorité pour nous faire la caille nous bon. OK? Moi après coutant de Donald comme dit eh moi va le déporter, m'a déporter bagage tête tout chaud. Elis Abinader l'a déporter tête tout chaud. Un problème non. Malgré peut-être méchanceté capable gagner tout. Non, quelque action qu'a poser mais pas oublier. Moun sa ou a fait pays. Il a fait la caillou. Moi, tant de Dominicains qui manifestaient, qui clairement dit que, t'entends bien? Ils ont clairement dit que eux-mêmes, ils ont fait ça à faire parce que Haïtiens viennent prendre ensemble des privilèges que qu'on a vu la caillou. Ils ont dit Haïtiens viennent prendre ensemble des privilèges que a vu la caillou. Ça veut dire que, même ça, j'ai des privilèges, l'école, éducation, santé, la manger, ça est inscrit tout, oui. Ça est écrit tout, oui. Nan maman loi d'Haïti. Ouais. Ça est écrit tout. Comme droit fondamental que peuple haïtien doit jouir. Mais ouais. Pas aucun droit ça respecter, non messieurs dames. Pas que aucun droit fondamental qui existait dans moment loi payant qui haïtien joui mes amis pas que youn qui existe pas que youn qui respecté pas que youn qui respecté non mes amis parce que tout pays c'est comme ça lié les droits fondamentaux droit pour moun jeune sécurité la paix droit la santé droit au logement droit à la soignay droit à l'éducation yeah. Comme si les Dominicains abdient haïtiens après tout ça comme privilège. M'ba konti yo, mon après ouvrir. Pendant ce temps, même ça, l'État pays a respecté, il y a un moment où l'État pays en tout, que l'État a dirigeant nous tout, que de respecter, que de prendre des dispositions pour que ça respecte. Pour ça respecter. Vous comprenez? Pour ça respecter. Mais malheureusement, mauvais dirigeant, dirigeant soufflant sur, dirigeant reste avec, yo tout arrangé yo tout arrangé yo pour yo pas faire, pour faire ensemble de droits ça yo pas respecté, yo violé droits ça yo. Yo violé yo. Yo violé yo. Yo violé yo. Et je dis à moi que nous devons capable comprendre engagement que nous devons prendre yeah. Engagement que nous devons prendre et gens que nous devons gérer de ces ça engagement nous devons prendre et gens que nous devons gérer de ces ça
Malheureusement, jusqu'à présent, mon nous et les dirigeants nous, mon cap dirige pays. Est-ce que ensemble, ça Donald Trump t'a dit dans campagne li pral café? Parce que l'on connaît les États-Unis pratiquement et son grand pays qui fait ensemble de développement et avancement avec base migrant. Les on est le président, soit ensemble déclaration yo, y aller à l'encontre des migrants, et bien le pral pratiquement déclarer hostilité ou pral joindre les États-Unis capable de gagner des problèmes de situation. Désir Venesse, laissez me dire que après élection, après réélu, me dit comme ça, et Donald Trump, là, qui a pile autorité, chef d'État, à travers le monde qui déjà commencé à réagir, gagné président français Emmanuel Macron, qui félicitait Donald Trump, et l'idil souhaitait espérer que, il pourra le travail, dans tout ça, les respect, et permettre que la France et États-Unis, eh bien, développer de très bons rapports, de très bonnes relations, et par rapport avec ça, gagné, genre, en jeu politique, géopolitique mondial lié. Et, et même et président Capeté Alistair Voltaire qui les même tout et qui félicitait et Donald Trump et il souhaitait que nouvelle administration États-Unis et pral vraiment développer de très bonnes relations avec Haïti et ça qui pral porter sérénité, sécurité, la paix en Haïti. Ça veut dire que des CVDS réaction sortie qui bon pas bon et à travers le monde après réélu et Donald Trump comme 47e président États-Unis et dans élection qui est faite mardi 5 novembre 2024 là. Et là noté que désir et pas seulement et on dit pour poste président de République gagner non même au niveau des Sénat Congrès américain républicain remporter la main parce que il y a en pile siège en dedans et Sénat ça n'est le Congrès américain. Elle dit là encore elle dit républicain fait un raz-de-marée dans élection 5 novembre 2024. Désir moi c'est que moi avec vous comme deux haïtiens et de jeunes directeurs d'opinion et qui suivent et on dit réalité États-Unis et en même temps tout qui mettait un pile focus sur ça qui a passé la caille nous parce que nous croyons que la caille nous pour nous-mêmes l'état est priorité nous mais comme je dis avec réélection de Donald Trump réélu Donald Trump notre tête États-Unis moi je veux que un pile mon cap garder émission ça dans moment et comprendre ça n'a dit là. Et nous allons faire des analyses sans et sentiment. Pas parce que nous sommes haïtiens et pas parce que tout, que nous sommes entrés dans les affaires élections aux États-Unis. Non. D'ailleurs, et c'est pas oublié en 2020, les que Trump a l'élection face avec Joe Biden, eh bien, Trump était perdu l'élection. Joe Biden était fait 306. Grand électeur qu'il a gagné et Donald Trump a gagné 232 grands électeurs. Parce que pas oublier que il y a 638 grands électeurs. Et ensemble de États, ils ont départagé avec quantité électeurs qui gagnent. Bon, histoire électeur, bon, c'est ça qu'a toute une émission pour que nous fassions mieux comprendre et question grands électeurs aux États-Unis. Parce que bon, de nous pour nous comprendre bien. Et Kamala Tegen doit faire plus quantité voix par rapport avec quantité monde qui est déplacé à voter. T'as bien ça me dit. Kamala Tegen doit question démocratique là. Question démocratique là côté peuple sorti pour aller voter. Exactement, t'as bien. Dans élection démocratique comme si c'est peuple qui sorti à voter. Kamala Tegen doit faire plus voix que Donald Trump. Mais comme histoire de grand électeur parce que pas oublier États-Unis c'est grand électeur qui met comme si qui bail président. C'est grand électeur qui va être président. Et pas oublier, dans la question grand électeur, là, pour alors c'est 638 grand électeur, mais moun qui arrive 270 avant, normalement, eh bien, il y a une élection. Elle dit là, puisque Donald Trump déjà arrivé 277 et Kamala 224, et malgré sa désir, ensemble de l'autre État qui va quand même contrôler, qui va faire contrôler, non? Et le gars des États ça yo ou est que yo en faveur Donald Trump a dit si yo t'es même contrôlé États ça yo ou t'as jeune que Donald Trump t'as gagné Kamala avec n'importe 300 combien grand électeur. Kounya ça bon comprendre. On dit que même les Kamala t'es gagné plus moun ki t'al voter. Bagala pral chita nan question grand électeur. C'est grand électeur bagala pral chita, c'est là pour comprendre. Et je dis
Mais ça me l'a comprendre. Et ça m'a dit très fort. Quel que soit Kamala qui est bon, et Kounia, comme Kounia, c'est Trump qui est bon, c'est États-Unis d'abord les pour vous. C'est États-Unis les d'abord pour vous. C'est vrai que yo chaque yo te gen un politique général qui te gagné. Yo chaque yo te gen san rele des thématiques qui ont été traitées dans la campagne électorale. Mais je dis là, même le temps de Kamala pas bon, mais l'histoire était américaine. L'histoire était comme première femme qui vient, présidente et alors vice-présidente États-Unis. Comment le samedi, hein? Et ceci dit, même les que Donald Trump a passé toutes 4 ans là, il va travailler avec vous, comme si comme démocrate. Mais Kamala, qui a toujours retourné dans la course électorale, après 4 ans de Donald Trump là, comme candidate à la présidence, a dit que c'est America d'abord. C'est America d'abord. Je dis, c'est les États-Unis qui gagnent. C'est les États-Unis qui gagnent. Parce que j'aime un peu le monde. Et comprendre l'élection des États-Unis comme si. Et non! Parce que, yo même, yo dit clairement, Trump dit la fait pays. C'est États-Unis, monsieur, remettre capé. Et pas oublier que, États-Unis, c'est première puissance économique et militaire. États-Unis, c'est première puissance économique et militaire. Et pas oublier, question économie, hein, l'important. Question économie en sous-discussion, parce que la Chine pratiquement a avancé. Bon, oui. Je t'ai fait quoi que la puissance militaire, là, les États-Unis, mais quand ta puissance économique, là, depuis un bon moment. Gede Bassouli. Exactement. Gede Bassouli, nous d'accord. Mais qu'on y a là, pas oublier, avec Donald Trump, la pralmette, libre en pile disposition pour que États-Unis reprennent les questions et puissance économique, là. Parce que pas oublier. Bon, eh bien. Il va une bataille économique, frère. Parce que tu as les désirs. Ça pour nous connaître. Mais on va avancer. Ça pour nous connaître. Donald Trump, monsieur, c'est un homme d'affaires. Donald Trump, monsieur, pas politicien. Monsieur, pas un politologue. Ouais, politologue, c'est leur étudier science là. Mais, il y a le politologue. Politicien, c'est son fait dans la pratique. Et Donald Trump pas ni politologue, ni pas ni politicien. Donald Trump c'est un homme d'affaires. Et qui profite de ça n'est les jeudi hein, de une réalité qui a changé dans le monde et qui a changé aux États-Unis. Et ben il faut faire l'école et l'hypothèse discours, attendez bien. Hein? L'hypothèse discours américain conservateur yo, l'hypothèse discours américain qui blé que américain toujours été en les têtes là et li rive gagner confiance yo, li rive gagner que yo et li te fait en 2016, li vinn perdre en 2020 et là li reprend sou li reprend cœur encore, li retourner gagner encore et ça veut dire m'a dit que rive Donald Trump dans la Maison Blanche le 20 janvier 2020, eh bien, tout de suite, comme s'il pourrait remettre l'économie États-Unis et la Chine, non, mais il pourrait prendre des dispositions, il pourrait prendre des mesures pour le rebailler j'arrête pendant 4 années là avec Anzi économie États-Unis et ou qu'à saisir, ouais, soit que vous venez à égalité, le même niveau, ou dis-moi ce que il va monter en l'état la Chine. Parce que pas oublier, relation économique, très bien. Relation économique États-Unis et la Chine, pendant 4 années de mandat, Donald Trump, là, les papes douces. Peut-être, pour États-Unis, avec Américains ou bien moun qui reste immigrants qui sont en États-Unis, on commence à parler pour eux. Mais, sur le plan économique mondial, relation États-Unis avec la Chine, les vraiment, grand pile litige la donne. Et pas oublier des yeux. Dans la question immigration, et qui c'est une grosse thématique que Donald Trump lui-même, qu'il était traité pendant la campagne et Kamala Harris, et Donald Trump arrive à gagner bataille ça sur Kamala Harris, parce que pas oublier que, yo gade pour yon, les que Donald Trump était président en 2016 pour arriver 2020, c'est que moins immigrants qui étaient rentrés aux États-Unis. Et pas oublier, Américains conservateurs, yo, Américains qui croient c'est Américains d'abord là, yo comprennent que immigrants viennent prendre place, yo, immigrants viennent prendre travail. Yo. Je dis en désir. Et question immigration ça, libéral, Donald Trump, c'est un point, parce que pas oublier,
Ça c'est une plus grosse thématique que Donald Trump après question économie, question immigration, hein. L'ICE deuxième plus gros point que thématique que Donald Trump traité et grivé remporté sous démocratie. Et les avances ces chiffres, hein? C'est un point focal. Exactement. Et les avances ces chiffres, les avances données, ils montrent qu'il n'y a pas A plus B que immigrants qui ont créé pendant la période démocrate en États-Unis, ils n'ont pas fait bien du tout avec les États-Unis. Regardez la question de la frontière Mexique. Regardez le programme humanitaire. Et regardez tant de l'autre immigrant de l'autre nation qui déjà aux États-Unis, qui est illégal aux États-Unis. Et ma garde de désir, gen un américain noir, me dit parce que on black américain, pour me comprendre, pour me comprendre bien, qui dans juin 17 novembre là, l'ital voté. Et li clairement, li dit qu'elle vote Trump. Raison c'est pour ça. Li dit, li pas normal pour la garde de ces deux américains pareil li qui je dis y a pas fait un qui pas travail, cap dormi dans la rue. Et qui pas qu'à jouer en ken appui et l'État. Alors que moun qui vini qui se immigrant yo, yo vini prendre comme si yo jouent ensemble de privilèges, l'État ba comme si baga assurance santé, l'État ba ensemble de baga, alors que vraiment petit terre, yo pas bénéficié baga sa yo. Qui donc, li dit pas normal, et bien ça c'est une raison qui fait que li même li voté Donald Trump. A dire, Américain voté Donald Trump yo, réseau qui va avancer yo, c'est des réseaux que dans la réalité, yo montre que c'est réseau qui valable. Question économie, question immigration. Bon, troisième bagage, c'est question avortement. Bon, ça lui-même, il y a un aspect qui voit gros débat là-dedans. Mais je dis, bon, avant ce désir, semble que Haïtien comprenne, et semble que chaque monde comprenne, que l'élection des États-Unis, que Donald Trump privé élu pour une quatrième et pour une deuxième fois, c'est pas Haïti gagné, attendez. Et pas Haïti gagné. C'est États-Unis gagne. Haïti va faire élection en place. Oh non mon cher, désir. Gè des Haïtiens là qui tellement met là et tellement regardez comme si dans élection ça, wa di met là, si Haïtien était ka voté, li divisé, gè Haïtien si yo était ka voté, yo t'a voté Kamala Harris parce que pour pas déporter Haïtien qui immigre aux États-Unis, mais que Haïtien c'est Haïtien va venir Blaise. Quand Haïtien va venir se déporter, c'est pas la caillou. Ah mon cher, attendez nos frères. Gela ici t'as mal voté Donald Trump parce que pour capable déporter Haïtien qui est États-Unis. Parce que est-ce qu'on est désir? Gè de côté et dans États-Unis, surtout dans Floride, qui est Haïtien comme si gon côté connaît. Gè de côté connaît gars pile Haïtien là qui capable voter. Yo pensez comme si t'as mal voté pour Kamala Harris. Regardez ouais, tu gè zone ça. C'est pas oublier gros bataille haïtien qui était là avant, haïtien qui était là longtemps, haïtien qui a voté avec haïtien qui vient dans Biden, haïtien qui vient dans ci, haïtien qui vient dans ça, vous comprenez? Parce que à tout monde entre dans pays, il y a pas qu'à jeune travail, mais laissez-moi dire jeudi. Et même Jean de la Trump deal, Amérique d'abord, États-Unis d'abord. Je dis à moi que c'est États-Unis qui gagne, c'est pas Haïti qui gagne. Même le que ou c'est un Américain peut-être naturalisé ou c'est un Américain haïtien d'origine ou bien haïtien d'origine coréenne connaît bien Haïti. Même n'a pas aucun intérêt en Haïti encore. Mais connaît bien Haïti, c'est Haïti gagne haïtien qui vivre là-dedans. Gagne Haïti gagne intérêt pour Haïti. Et États-Unis qui gagne pile haïtien là-dedans non, immigrant haïtien là-dedans non. Comprendre bien. Jodi an, gen yon pil moun ki di États-Unis grand pile, li ban nan ki sa des haïtiens ki vinn après le déranger de moun. Mais en même temps, tout mon petit désir, haïtien frèm swèm yo, ki a viv États-Unis, quel que soit te Amérique ou te naturalisé, ou te gen ba konnen ou te sou asile, ou te nan programme pa ou l'humanitaire Biden, ou te antre ba CBP One, jodi an, an pa kreye yon bataille ou guerre dans communauté haïtienne, bien que n'a pas communauté tout non, mais an pa kreye yon bataille ou guerre entre haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et quel que soit statut que tu as gagné comme haïtien aux États-Unis, quel que soit statut que tu as gagné comme haïtien aux États-Unis,
ou naturalisé, ou gen visa, ou nan asile, ou nan TPS, ou entre pas CBP one, ou illégal, si on te capable de dire là, m'bri que nous connaît, nous c'est haïtien. Pas rentrer dans bataille, dans guerre, avec Donald Trump qui tourne réélu président des États-Unis. Et pas oublier, m'dou, Donald Trump, il pas dit États-Unis, il pas dit Haïti, non? Il dit États-Unis. Il dit les États-Unis. C'est vrai qu'on est, on va quelle situation pour arriver, qui pourra le produire, mais qu'on prenne bien désir. États-Unis, il a fait pays. C'est pays qui a fait. Ou même, c'est gourmet pour la caillou, pour faire pays tout, désir. Blaise, on est qui président les États-Unis d'Amérique, ou t'as dit qu'elle gagne une couverture présidence mondiale. Non, Jacques Mounio a pissé d'autres gardes. Mais cependant, chaque pays, il y a pratiquement une responsabilité dans la bataille ou développement politique, économique et société. Je veux dire, c'est qui mode monde que le pays d'Haïti a choisi pour mettre à la présidence. Ouais, tout parler en pile qui gagne. Tout autour des élections États-Unis d'Amérique. Ce choix, qui est-ce qui t'a doué vin président entre républicain et démocrate? Gade haïtien qui dit que républicain pas de jambon pour Haïti. Parce que si y a gade Hillary Clinton, à Clinton. Ça si démocrate, démocrate. Oui, démocrate, démocrate. Soit PC, donc on gade qui ça moun sa ou fait en Haïti. Qui dégâts que vous fait. Et si on a gade, toujours démocrate, Joe Biden, qui rive prend pouvoir, lui-même avec Harris. T'as dirigé, on regarde ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Est-ce que y a des gens en faveur d'Haïti? On regarde le mandat que Donald Trump a gagné 2016 à 2020. Qui gens Haïti te pratiquement ensemble élection et qui gagne plus scandale en Haïti? Qui gagne interruption de corruption en dedans de sous Donald Trump? Kounia, ça me fait comprendre. Blaise Peterson. C'est juste pour nous d'accord, pas que nous avons changé, donner Haïti. Mais c'est nous, en soi, qui pouvons prendre responsabilité pour nous changer, donner qui permettre que Haïti les revive. Qui permettre que nous sortions des situations extrêmement difficiles que le pays a trouvé. Les États-Unis a gagné. Nous, les Haïtiens, qui vivent États-Unis d'Amérique, ils sont question de principe. Je dis, aucun problème avec Donald Trump qui a gagné. En ligne de campagne, quand il t'a parlé des questions migration, il était exigeant. OK? Par rapport avec Jean Moun après entrer aux États-Unis d'Amérique. Mais le correct. Parce que la fait pays. Je dis Haïti qui a fait tout. Haïti qui a pris position sous façon que Moun a rentré en Haïti. Et c'est l'Haïti et nous t'a dit à travers le monde là, qui t'a pris son savant. Moun entre n'importe qui Jean. Moun décide de rentrer dans n'importe secteur, dans n'importe qui Jean. Mais si la fait pays, si on a décidé de faire pays, li se dirigeant pays, nous pas que ça t'a de opposer problème avec lui parce que li décide de diriger pays. Ça, c'est occasion. Ouais, l'année 2024. Li pote des occasions profitables pour les Haïtiens de la situation. Ça me dit voilà. Nous avons un ensemble pays qui a une relation, échange avec eux, ou bien relations amitiés avec eux. Qui a tenté de virer devant nous? Ok? Les États-Unis nous ont une grande histoire avec lui dans la bataille de Savannah pour permettre qu'ils aient fierté. Ou après, discours campagne, c'est discours campagne discriminatoire contre les migrants, mais principalement les Haïtiens. Est-ce que Donald Trump n'a pas frappé fort dans Springfield, Ohio? Ah, là, ma bon menti haïtien, ouais, mais bon, ça, ouais, ou même ma bon menti des depuis jour, n'est-ce pas, mardi 5 novembre, non, et grand pile confrère, nous, qui, même, qui États-Unis, qui va faire visite, non, ouais, pour regarder, bon, haïtien, moun presque pas marché, alors, black, presque pas marché dans la rue, ouais, et, bon, paquet activité comme si business haïtien, qui était confectionné dans l'espace, ça, y'a fermé. Ouais, pas oublier tout des images, qui doit avancer, pas oublier, ouais, et la question et déportation que Trump a parlé, hein, lycée on a côté que Trump pral mette en pile focus sur lui. Parce que Ohio, lycée on state républicain, et pas oublier Colistier, vice-président, et qui pral dirige États-Unis avec Donald Trump, là, qui c'est Jerry Vance,
monsieur c'était sénateur Ohio qui donc là c'est un côté et bah d'après très il est capable à bien dire il est capable très compliqué pour immigrants mais dire haïtien seulement mais pour immigrants mais haïtien en premier lieu madame monsieur très bien kounya qui ça que nous doit dire non qui ça que nous doit comprendre dans tout ça je veux dire nous trouver dans une situation côté n'a chercher refuge c'est que nous pas joindre en pile là nous sous suspense tant que Jean Bruno ta kadil après haïtien après immigré au fin tendez c'est Donald Trump qui gagne l'élection bon jaré dehors après monyo a posé cette question qui ça va arriver fait parce que moi plusieurs petites vidéos fanny qui commence à faire côté mon a ramasser balette côté mon a courir dit Donald Trump il veut gagner l'élection oui Donald Trump gagne l'élection est-ce que pas arranger ou pour te chercher un statut légal depuis l'autre rivière est-ce que ou pas jamais payer taxes est-ce que pas arranger sur ça Blaise, un bon matin, un président États-Unis d'Amérique qui gagne un discours anti-immigrant, eh bien, il gagne un discours là pour aller directement un impact sur l'économie des États-Unis d'Amérique. Oui? Yeah. Parce que, il y a un pile gros investisseur. De qui est-ce que l'investissement aurait été viable? C'est vis-à-vis avec présence immigrant, oui. Exact. C'est eux qui travaillent. Et si on regarde la question économie, même que de façon banale, ok? Napoué, ensemble de ça que migrants ont porté. Quel est le monde qui vient dans le programme par l'humanité Biden? Quel est le monde qui vient dans CBP One? L'Elvin là, ensemble de process qu'elle a fait, Blaise, il porte un paquet d'argent dans l'économie américaine. Non, pas oublier que le programme par l'humanité a venu dans le moment que l'économie. Économie a été un petit genre à baisser. Yeah. Et ceci dit, démocrate, pas capable de dire que. Alors, pour démocrate, j'avais dit, pour démocrate, il y a clairement, ouais, et clairement dit que pendant les immigrants ont entré dans la période ça, les moutons économiques, hein? Mais pour les républicains, il y a que présence immigrants, sous pouvoir d'administration démocrate, ils descendent, ils ont un impact sur l'économie. Hein? Mais Kounia, est-ce que Will Donald Trump, comme républicain, qui arrive président là, lui pense un bon matin que la ka changer donné yo, la ka automatiquement vini, lui remonter donné économique yo. Non. C'est toute une bataille, c'est une guerre mondiale gagnée. Yeah. Parce que pas oublier qu'on question BRICS qui a parlé là. C'est juste des défis qui a metté pour l'Occident parce que yo estimé et monnaie qui pratiquement a utilisé là yo, l'Occident arrange qu'elle mette contrôle, il met en pointe sur yo pour permettre ensemble pays trouver une situation difficile de fonctionnement. Yo même y a mettre stratégie tout parce que le monde l'a évolué. Si la Chine a boumé pour puissance économique là, bien que y a des données qui montrent qu'elle prend déjà cette puissance militaire là que les États-Unis gagnent et gagne gros bataille qu'a fait pour perdre puissance militaire là, et ben c'est normal. Yo républicain. Yo américain raciste. Qui rive gagne élection, li pral très sévère dans la décision qu'il pral prendre envers le peuple américain. Il n'est pas jouer avec eux. Moi même on t'a conseillé chaque grand haïtien qui gain statut irrégulier illégal qui est États-Unis d'Amérique ou pas pour faire casser ou pas pour gain problème parce que ou te connaît les États-Unis pas de la caillou ou te connaît n'importe là ou te doit retourner la caillou c'est vrai la caillou pas bon même tout temps dit ça là-bas ici hein. Par un pays au monde qui transforme qui change qui lève au rang c'est étranger qui fait. OK? C'est les États-Unis qui ouvrent là, ou sont tout confortable là-dedans. Peuple participer. Peuple connaît mais qui ça qu'elle veut. C'est pour ça que ont choisi Donald Trump. C'est pour ça que voté Trump. Parce qu'ils ont estimé dans 4 ans qui sont passés là, par une progression qui fait sur le plan économique, sur le plan migratoire, OK? Sur le plan d'emploi parce qu'ils parlaient des chômages qui vient des États-Unis d'Amérique. Qu'il y a ensemble monde qui pourrait voter, pas oublier. En pile dans yo rentre dans l'âge, en pile dans yo jeune, y a réfléchir sur avenir. OK? Yo balancer démocrate yo, peut-être yo pas les jeunes yo dans politique démocrate là, yo dit bon, ba essayer donc switch retourner dans et républicain. Yo aller yo garder 2016 à jodi hein. Yo dit que yo balancer ensemble résultat yo. Yo ouais si c'est Donald Trump sans doute quitter et le président dans l'élection 2020-2021, sans doute que ça, on est comme situation là, il veut comprendre qu'il n'est pas comme ça.
Blaise Peterson. Et pas oublier, les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Li pap d'accord chita pour la regarder régression qui a fait dans tout niveau vers les États-Unis d'Amérique. OK? Nous devons arranger nous les Haïtiens. Autorité haïtienne, comme moi, Leslie Voltaire, conseiller présidentiel, comme dans des vents, vous avez fait tweet pour le féliciter, pour le battre bravo, parce que nous devons chercher attention tout. C'est que non, l'éclair. C'est qu'il n'est pas ignoré. Bon, qui ça fait? C'est on est tant pour Leslie Voltaire, qui est presque au premier rang, président qui a souhaité, et Will Donald Trump, bienvenue, et dans tête de la Maison Blanche. Là, cherchez attention. Mais je dis, ce n'est pas attention, ça, qui a servi le pays, mais c'est nous-mêmes, de volonté qui nous gagnons, pour nous suspendre volant, pour nous suspendre à gommer entre nous. OK? Pour nous gommer dans l'intérêt du pays, mais c'est ça. Moi-même, je dis avec chaque compatriote haïtien, et ça qui est en Haïti, et ça qui est aux États-Unis, laissez-moi dire que, m'a prédit, m'a toujours dit, c'est États-Unis qui gagne, c'est pas Haïti qui gagne. Abdil, c'est États-Unis qui gagne, c'est pas Haïti qui gagne. Et les peuples j'aime Haïti qui gagne parce que c'est pas élection Haïti. C'est pas Haïtien. D'ailleurs, et c'est vrai, m'a toujours arrivé, ouais, on le Haïti, un système collégial qui est dans le niveau ça. On comprend? Le jour même, élection faite, le jour même, pas résultat. Et on a toujours aimé tout vraiment que c'est élection qui déroulait dans respect norme à principe. On a aimé tout que les ça c'est des monde qui gagne de politique pour Haïti comme candidat qui allait dans course électorale qui t'a une président ou bien président des États-Unis. Et je dis pas oublier équipe KPT qui en Haïti hein, et Gary Kouni en même temps, yo même ouais, les Steve t'a félicité, mais un problème c'est il fait ça, OK.